Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce vendredi 12 novembre, c'est Jérémy Delsol pour votre émission Bonjour CAC 40 et DAX 40 avec Admirals, il est 8h30, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine en notre compagnie ou si vous nous découvrez, n'hésitez pas, c'est comme ça, on est live chaque matin de 8h30 à 10h, on a des événements économiques sur le calendrier de temps en temps qui nous permettent de faire un peu plus de séances aussi. On va se pencher sur le calendrier économique. Je viendrai vous saluer directement dans le chat juste après. Petit rappel, c'est le mois ici hein, du cashback, hein, jusqu'à 50% de cashback chez Admirals. N'hésitez pas à en profiter jusqu'au Black Friday. C'est chez Admirals et ça fait pas de mal, j'ai envie de dire. L'actualité aussi, on a cette partie hein, vraiment dans à propos actualité où on vous laisse aussi bien voir les nouveautés, l'actualité Admirals. Donc, après avoir été élu quatrième année d'affilée meilleur broker côté allemand, on a rajouté aussi des crypto-monnaies, une assurance protection des fonds jusqu'à 100 000 pour tous ceux qui sont du coup clients sous la Jordanie en fait. Et l'actualité ici avec une IPO, donc c'est une introduction en bourse d'une action, l'action Rivian, qui est une action qui concerne une entreprise qui fait des véhicules électroniques, donc ici, enfin électriques je devrais dire plutôt. N'hésitez pas à regarder ça, l'action est désormais disponible chez Admirals, donc ça c'est fait partie vraiment de l'actualité. On a aussi ici une partie marché où vous retrouvez des idées trading de la semaine. D'ailleurs il y en aura d'autres hein, qui viendront aussi aujourd'hui être publiées. On va se pencher donc avant tout sur le calendrier économique, pas grand chose ce matin, ça va démarrer seulement à partir de 11h avec la production industrielle européenne, j'aurais dû dire à 11h tout simplement, côté annuel plutôt et mensuel, donc ici côté européen. Côté américain, c'est le rendez-vous de 16h cet après-midi, le Jolt offre d'emploi et du coup l'indice tout simplement du sentiment des consommateurs attendu côté américain. Donc vous voyez la journée résumée en deux événements tout simplement quasiment, puisque c'est 16h, c'est 11h et rien d'autre. Donc voilà ici. Pour ce calendrier économique, on va se pencher sur les graphiques et je vais venir vous saluer bien sûr directement sur le chat. Nasser qui nous disait bonjour. Jérémy, bonjour à toute la famille Admirals, pouce bleu depuis le Cameroun. Bienvenue à toi Nasser, ça fait plaisir, j'espère que tu vas bien ce matin aussi. Et bienvenue bien sûr. Pythagore également qui nous dit bonjour à tous. Bruno, Christina également, Gérard, Phil, Cyril, Zachary, Amat. On a aussi Nadir, Didier, Grégory, Jean-Louis, David, Morifis, Ludovic, Damien, Jimmy. Bienvenue à vous tous, un vrai plaisir de vous compter parmi nous ce matin. Christina, tu nous disais hola todos. Bienvenue à toi, salut tout le monde du coup Jérémy, bonne séance, merci à toi aussi Christina, bienvenue. Et également Didier qui nous disait aussi bonjour à tous et à toutes, bienvenue à toi aussi Didier. Morifis, tu nous disais également content de pouvoir suivre cette séance du jour, j'ai bien fait de faire le pont. Excellent, excellent Morifis, ça fait plaisir que tu sois là en tout cas. N'hésite pas si tu as la moindre question, profites-en d'être live avec nous, hein, clairement. On a aussi Christian Dan qui nous disait bonjour à tous, bienvenue à tous. Calimero également et Rodrigue aussi. Allez, on attaque les graphiques directement ici, le JP225 qui finit par rebondir. Je vous avais dit qu'on était en ce moment dans une phase de respiration puisqu'on est dans une tendance haussière. Ces séquences rouges qui représentent des respirations, c'est-à-dire des mouvements de correction à la baisse plus petits que les mouvements d'impulsion. On est revenu en fait quelque part sur une partie médiane, cette touche HS du mini terminal qui est très intéressante, qui marque les 50% entre le sommet, donc ici, et le creux par là. On a été un petit peu en dessous, donc on sait qu'en dessous, on a aussi quelque part la zone de Fibo, 61,8 de Fibonacci. On a été dans cette zone-là et on a trouvé du rebond pour repartir au-dessus du point pivot PPRA intermédiaire mensuel. Le graphique horaire, lui, va nous montrer, en rajoutant les points pivots du jour ici, un petit peu où on en est, c'est-à-dire qu'on est revenu justement dans la zone autour de ce PPRA et on a su ici casser ensuite un obstacle intermédiaire qui fait d'ailleurs office de point pivot du jour, hein. C'est assez intéressant, rebond ici, correction en fait, hein. Impulsion, correction et on repart dans les zones de résistance, attention du coup avec les tests des sommets précédents. Donc au cours de cette séance, au cours de la nuit, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu tout simplement de la hausse assez rapide d'ailleurs ici, vous le voyez avec cette impulsion très importante aussi quand même du côté du JP225 au cours de la séance asiatique. Alors est-ce que le ton va être donné pour finir cette semaine, ou en tout cas cette matinée ensemble, sur le ton de la hausse du côté européen? On va le voir ensemble. Hier, le DAX 40 a su clôturer au-dessus de sa résistance RA mensuelle. Donc ici, c'est un élan de relance de cette tendance haussière. Regardez ici, on était en tendance haussière comme ceci, impulsion, correction, obstacle,
puisqu'on avait quand même plusieurs mèches, aucune clôture au-dessus de la R1 mensuelle jusqu'à hier soir. Hier soir, on a su clôturer au-delà. Donc pour l'instant, on a un phénomène ici de petite correction, de petite respiration. Cette zone va être très intéressante à étudier pour voir si on a du rebond ou si au contraire, c'était une petite impulsion haussière pour mieux venir respirer, puisqu'il y a quand même de la marge aussi. Si on regarde le sommet précédent, si on regarde les sommets d'avant, il y aura un peu moins de marge et c'est là d'ailleurs où on a trouvé un petit peu de rebond les fois d'ailleurs précédentes. On passe sur graphique horaire et on va retrouver plusieurs petites choses. Donc cette zone de consolidation déjà dont je vous avais parlé, qui va être toujours intéressante je pense, puisqu'on se dirige à l'heure actuelle en fait hein, vers un test côté extérieur de la borne haute en adéquation avec la résistance R1 mensuelle. Donc tout ça passe support pour le moment, vous l'avez compris, c'est à la zone des 16 055. Si je rajoute les points pivots, on a un point pivot du jour qui corrobore le creux précédent avant cette zone support. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo dans cette zone-là, on pourrait trouver des rebonds intéressants pour continuer la hausse. Par contre, si cette zone est violée, cassée, percée, tout ce que vous voulez du coup par le bas, eh bien sous les 16 055, 16 050, on aurait un scénario possible de réintégration de la zone de range pour une partie médiane autour des 16 025 et une borne basse dont on avait parlé également autour des 15 995. Bref, le niveau psychologique des 16 000 points. Voilà un petit peu pour les scénarios qui nous attendent sur ce DAX qu'on va voir de toute façon en temps réel dès l'open ce matin. Pour l'instant, c'est plutôt un billet baissier qui est en train du coup de se décliner. Le CAC 40, qu'en est-il de ce CAC 40? Vous vous rappelez, le CAC 40 avait su casser en avance hein, sur le DAX la résistance R1 mensuelle du coup de son graphique, hein, de ici tout simplement. On a même trouvé du rebond, puisqu'une résistance cassée devient support, et on a été direction la R1 R2 intermédiaire sans pouvoir la casser en se stoppant quelque part vis-à-vis du sommet précédent journalier aussi. Alors quand on rentre dans le détail, on avait également ici une zone de consolidation. D'ailleurs, on va l'élargir un petit peu cette zone de consolidation. Une borne haute qui tournait autour des 7 060. On va boire un petit peu plus de café ici. Mais avec les derniers tests, vous voyez que je peux quand même aller la réajuster cette zone borne haute. Hop, ici, on va mettre des niveaux comme les 7 070 et les 7 030. Même si je favoriserai les... ouais, 7000, je dis 7075 et vous avez vu, j'inscris 7075. Donc par sécurité ici, voilà la zone de consolidation dans laquelle on se trouve. Quelque part, la touche HLS nous indique un petit peu cette zone-là aussi, sans les points un peu extrêmes, mais ça donne quand même une bonne idée. Alors le point pivot du jour, il se trouve être en plus sur les 7047, cette partie médiane de zone de range. L'AR1 du jour va corroborer d'autant plus ma nouvelle borne haut des 7075 points et ce support S1. La borne basse des du coup ici, c'est bel et bien les 7025 points. Donc ici, plutôt bien cette actualisation de la zone de range qui est assez pertinente, je trouve. Donc voilà, on en est sur un CAC 40 ici pour l'instant. Donc ça veut dire quoi? Trading en range jusqu'à preuve du contraire. On fera attention à la borne médiane, bien sûr. En cas de cassure, il faudra savoir en fait hein, vraiment confirmer cette percée de la R1 du jour. On n'oublie pas qu'on a la R1 intermédiaire ici, R1, R2 mensuel. Et par le bas, eh bien c'est pareil avec ce support S1 qu'il faudra savoir franchir pour faire le test de la R1 du coup qui passe support en mensuel avant le support S2 du jour. Voilà un petit peu où on en est pour le moment. On a eu un tout petit gap haussier et récupération déjà du mouvement d'ailleurs ici sur le CAC 40 en M5. Du côté de la bourse britannique avec le FTSE 100, on a eu une belle impulsion hier, une clôture en fin de compte aussi au-dessus de la R1 mensuelle ici pour relancer cette tendance haussière. Je vous parlais très souvent ici du phénomène très très probable si on a un oscillateur borné en dessous hein, de voir une divergence se former. Et là je veux souligner aussi justement un point, il faut faire bien attention avec ces phénomènes de divergence quand vous êtes dans la, en train en fait quelque part d'étudier la divergence dans le sens opposé à la tendance. Une tendance qui du coup qui est importante quand même et qui se maintient, c'est un peu ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire que ça vous montre qu'on a de la divergence, mais c'est pas pour autant qu'on va forcément du coup s'arrêter de monter et qu'on va directement descendre. Donc là, petit point, petit clin d'œil par rapport à tous ceux qui apprécient le trading de divergence, faut bien le mettre aussi en contexte. Donc voilà, ici on est en train de corriger un petit peu, de respirer un petit peu en fonction de cette R1. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on avait dit et vu ensemble déjà mercredi, puisqu'hier on n'était pas live, mais mercredi on avait parlé de cette zone de range, de cette oblique. On a su casser le tout, c'est-à-dire que même cette petite phase de cette petite zone de phase de
SAS, voilà, je cherche mes mots, de SAS dont je vous avais parlé, ici a su être cassé sans trop de peine. Ça a été vraiment plutôt le test des sommets ici précédents qui a marqué un peu l'esprit au départ. On a cassé, on a du coup changé cette résistance en support et ça nous a permis de grimper plus haut. Donc je vais pouvoir bien sûr nettoyer beaucoup de choses ici sur le graphique, puisque du coup on est déjà monté bien plus haut. Je vais aller dans les objets, je vais juste enlever ça comme ça. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre désormais. Ici, on a su faire des sommets plus hauts, on commence à casser le creux précédent et on va aller chercher le test du creux encore d'avant. Alors ici, j'ai déjà envie hein, de mettre une petite zone comme ceci. Juste aller voir les niveaux que ça donne. 7360, 7390. Ouais, pourquoi pas. Une zone potentielle de range qui tournerait avec un prix médian autour de la R1 justement. Qu'est-ce que ça donne les points pivots du jour? Un point pivot justement qui corrobore la borne basse par ici. Par contre la résistance R1 est bel et bien plus loin au-dessus d'ailleurs des sommets les plus récents. Donc voilà où on se dirige pour l'instant sur un test point pivot borne basse d'une zone de range potentielle. Donc voilà aussi pour ce FTSE 100. On va passer sur les marchés US aussi. Je reviens juste rapidement sur le chat. Christian qui nous dit bonjour, bienvenue à toi aussi Christian. Michel aussi, bienvenue à toi. Jonathan qui nous dit bonjour, je viens de voir le DAX 30 est passé au DAX 40. Pourtant il y a plusieurs brokers qui sont toujours au DAX 30. Est-ce normal? Pas vraiment, non, non. Normalement le DAX, du coup on l'a vu et vécu ensemble. J'ai envie de dire, au moment où le DAX 30 est passé DAX 40, du coup c'est comme ça normalement pour tout le monde. Hein. Donc ici, peut-être qu'il y a des brokers qui n'ont pas actualisé l'intitulé. Mais chez Admiral, c'était bien sûr du DAX 40 désormais, comme il se doit. Pascal qui nous disait bonjour, bienvenue à toi Pascal. Grigorio qui nous disait aussi bonjour Jérémy, le live de mardi dernier a été mis en ligne. Alors, petit souci technique par rapport à l'enregistrement du live de mardi soir. C'est pour ça que j'ai pas pu vous le mettre en ligne hier comme je vous l'avais promis. Mais vous inquiétez pas, je vais tourner une vidéo pour du coup tous ceux qui n'ont pas assisté à ce webinaire. Je vais vous faire une vidéo directement du coup sur YouTube. Je vais l'uploader et je vais la tourner et l'uploader. Je vous dirai dès qu'elle sera disponible. Désolé en tout cas pour l'inconvénient bien sûr. Alaoui pardon qui nous disait bonjour, bienvenue à toi. Quelle est votre analyse du XO USD Gold? On va y passer sur le Gold, il n'y a pas de souci, dans un instant tu vas voir. David qui nous dit bonjour à tous, allez pouce bleu, merci beaucoup David, ça fait plaisir, 33 likes déjà, énorme. Calimero qui nous disait le Gold s'il vous plaît, on va y aller Calimero, il n'y a pas de souci, on le voit tous les matins le Gold, on fait les actifs, un actif asiatique, actif européen, américain, matière première, donc le Gold, le pétrole, du Forex, un peu de crypto-monnaie aussi. Jonathan qui nous disait aussi merci beaucoup, avec plaisir Jonathan. Alors on continue sur ce S&P 500 qui quant à lui n'a pas su franchir la résistance R1 mensuelle mais plutôt venir proche de cette zone là et y trouver de la résistance comme bah, on s'y attend hein, dans un premier temps en tout cas. Donc petite phase de respiration qui commence, on a une première séquence rouge et Kanashi suite à une très très longue et du coup importante séquence bleue et Kanashi haussière. Là on est en train de commencer à respirer un petit peu. Qu'est-ce que ça va donner sur le graphique horaire? On avait cette zone, vous vous rappelez, de range du coup potentiel dont on avait même parlé ici d'un triangle. Le triangle a été cassé par le bas. Au final la zone horizontale a su être retestée ici, là et quasiment ici même hein, côté du coup résistance, alors que dans le passé vous en doutez là et là on jouait le rôle de support. Et on avait parlé hein, de nos participants hein, nous avait parlé justement d'un canal baissier, donc on l'avait tracé ensemble. Alors ce canal baissier, il faudrait que je l'ajuste un petit peu étant donné les derniers mouvements ici. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va pouvoir du coup aller actualiser une nouvelle zone de range puisque du coup on a des tests en haut, on a des tests en bas et ça consolide. La touche HLS visuellement ici est très parlante je trouve du coup puisque ça nous affiche cette zone là avec deux sommets, cette zone là avec deux creux, même trois creux on pourrait dire. Donc ici on n'a plus qu'à rajouter les points pivots et on va regarder ce que ça donne. La résistance R1 du jour qui corrobore la borne haute et les derniers sommets, le point pivot un petit peu en dessous du prix médian quand même, et puis le support S1 un petit peu en dessous, donc on aura un petit peu de distance du coup à faire en direction du support S1, mais attention ensuite peut-être à la réintégration pour une fausse cassure quelque part, un peu comme on avait fait là, puisqu'on a su même faire le test du support S2 sur le bout de cette mèche. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on consolide à l'heure actuelle, on n'arrive pas à s'élancer ni à la hausse ni à la baisse, on est bel et bien dans un range sur le S&P, donc trading en range jusqu'à preuve du contraire, borne haute pour borne basse, etc. Borne basse pour borne haute, vous commencez je pense à vraiment connaître cette routine qui est très parlante et très vraie en plus hein, sur ces marchés-là.
Et en cas de cassure, voilà un petit peu les scénarios qu'on aurait. Attention pour la baisse limitée plus rapidement, j'ai envie de dire, par le support S1 que par la résistance R2 si jamais ça casse par le haut. Voilà pour le S&P du côté du dos. Le dos qui respire également ensuite à une belle hausse. Pareil, on n'a pas su casser la résistance R1, mais on a trouvé aux abords de cette zone des rejets, peut-être des prises de bénéfices, etc., qui nous permettent de respirer direction le PPR1 intermédiaire. Du côté du graphique horaire, ce qu'on a, c'est, vous rappelez, ces zones aussi de range qui ont été successivement, je vais y arriver, cassées du coup par le bas. Et ça nous entraîne tout simplement un petit peu plus bas, justement, en direction de ce niveau PPR1 intermédiaire mensuel. Si je rajoute les points pivots, on rejette en résistance pour l'instant le point pivot du jour. On a une, du coup, concordance support S1 avec le PPR1 intermédiaire mensuel sur des creux précédents. Donc, plutôt intéressant. Voilà, on va aller, du coup, nettoyer un petit peu les graphiques aussi. On va voir si on peut rajouter quelque chose par là. Et pour l'instant, on n'est pas dans du range, on est plutôt dans de la tendance. Donc, quand on est dans de la tendance, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tracer des obliques, par exemple. On peut tracer des canaux. D'ailleurs, si vous voulez qu'on trace un canal, pourquoi pas. On va aller voir ce que ça peut donner, qu'un canal. Il est très pentu, attention, ce canal. Très pentu. Pourquoi je vous dis attention? Ça veut dire qu'on est susceptible plus rapidement de le casser, en fait, de sortir de la zone plus rapidement. Mais pour l'instant, on a quand même un sommet là, un dernier test ici aussi en train de se faire. On va laisser ça comme ça puisqu'on a quand même de l'autre côté aussi des tests qui se font sur le dos. Donc on va rester sur quelque chose comme ceci. Donc en termes de scénario, attention au test du dernier creux, sortie possible donc par le haut pour le test de l'AR1 avec les sommets précédents. Si on n'arrive pas à se dégager du dernier sommet, du dernier creux, on va pouvoir ranger. La poursuite de la baisse, par contre, qui peut se faire si on casse le dernier creux directement en direction du support S1 PPR1 intermédiaire aussi, mais du coup une baisse qui peut être limitée, parce que si on rebondit comme ceci, il faudrait réussir à casser comme ça par le bas sans trop remettre en cause la cassure du canal. Donc voilà ici, petit élément important à savoir aussi sur le dos. Du côté du Nasdaq, pareil, respiration depuis le test, cette fois ici, de la R1 en fait mensuel. Pas de clôture au-dessus, des mèches rejet. On vient respirer sur un prix médian carrément ici, 50% entre le sommet et le creux, visible facilement avec la touche HS du mini terminal de l'édition Supreme Admirals. Et du coup, on respire déjà un petit peu, on rebondit déjà un petit peu depuis la zone. Mais concrètement, depuis un graphique horaire, qu'est-ce que ça donne? On avait cette zone de consolidation qui a été cassée au final par le bas, très joli break directionnel sans trop de peine après un petit peu de respiration, et on est du coup venu chercher quand même des niveaux bas quand même par rapport à cette cassure. La cassure était au niveau des 16 300 points, on a su quand même faire les 15 900 points, donc très belle cassure. On va du coup actualiser un petit peu le tout aussi. Pourquoi? Parce que à l'image de ce qu'on a trouvé aussi sur le S&P 500, on y voit quand même de la consolidation aussi sur ce DAX. Alors, sur ce DAX, pardon, sur ce Nasdaq. On a un sommet ici, un autre par là, un creux ici, un autre creux par là. On pourrait même y voir un creux un tout petit peu plus bas par ici. On va juste regarder en termes de niveau, qu'est-ce que ça peut donner. On va avoir les 16 100 par là, les 16 000. Voilà, c'est plutôt bien comme ça. On va laisser tel quel. Juste aller là pour le désélectionner, puisque le watermark des fois va nous embêter un petit peu pour les objets en l'occurrence. Donc on va rajouter tout simplement les points pivots, partie médiane du point pivot, le point pivot, pardon, partie médiane de cette zone de range. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la R1 qui corrobore la zone borne haute, le support S1 un petit peu plus bas quand même. Donc attention aux cassures possibles par le bas, cassures par le haut comme ceci au-delà de la R1 et trading range à l'intérieur de la zone. Je vous le disais, donc entre les 16 100 points et les 16 100 points de range sur ce Nasdaq 100 à l'heure actuelle. Avant de passer sur la matière première, je reviens rapidement à 11 minutes de l'open. Sur le chat, Charles qui nous dit bonjour Jérémy, continue analyse au top, merci beaucoup Charles, ça fait vraiment plaisir à lire, bienvenue en tout cas parmi nous, n'hésite pas si tu as la moindre question. Ange qui nous disait aussi bonjour à tous, j'attends les analyses pour les matières premières, ça tombe bien, on va les démarrer ici Ange. Jonathan qui nous disait aussi comment faites-vous pour avoir les bougies, et Kenashi, très simple, c'est dans MetaTrader 4 et 5, dans les indicateurs par défaut de la plateforme. Si tu es sur MT5 par exemple, tu as juste à aller dans exemple, tu descends et dans les H, tu vas trouver du coup Ekenashi. Ici, tu le glisses sur ton graphique, tu cliques sur OK et c'est parti. Tu vas voir ces graphiques Ekenashi qui sont, attention, je vous rappelle, hein, c'est un indicateur code couleur qui se superpose à vos chandeliers japonais. Donc, si vous voulez avoir des graphiques plus propres ici, il faut ensuite, vous voyez là, chandelier japonais, je les enlève, je mets les bâtonnets, comme ça on y voit Ekenashi. Mais ça reste les open et les clôtures des chandeliers japonais. Donc, c'est une indication qui va lisser le cours, ça ne va pas changer entièrement votre graphique. Il faut en être conscient. Alors ici, je vais juste enlever
aussi ça. Donc on avait parlé de plusieurs choses sur le gold, justement on parlait matières premières, ça démarre ici, on avait un range dans le range. Ce petit range là, visible toujours d'ailleurs avec la touche HS du mini terminal pour le dernier sommet, le dernier creux, a été cassé. On s'est dirigé directement vers la borne haute de la zone de range précédente. Et là c'est intéressant d'un point de vue journalier. Il n'y a quasiment eu aucune interaction, on a su transpercer rapidement cette borne haute. Alors on va aller voir sur le graphique horaire comment ça s'est passé dans le détail. Dans le détail, il y a eu de l'interaction, il y a eu quand même une réaction résistance ici. On est revenu tester la zone de range borne médiane des 1823,50 et on a ensuite explosé à la hausse pour percer la zone. On est revenu autour de la R2 ici et en fin de compte, on a trouvé du rebond. Pour l'instant, par contre, on va être limité dans une zone aussi dont on va parler là. Alors, je vais juste aller. Voilà, supprimer celui-là. Ici, la partie là aussi, on peut la sortir et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Puisqu'à l'heure actuelle, on a une zone très intéressante autour des 1855 dollars l'once d'or. Et pour autant, pour ma part, on va commencer à ranger aussi. On a deux sommets, deux creux. C'est une zone de consolidation dont la partie médiane va se trouver non loin des 55 justement. Si je rabaisse ici, pile sur les 50. Ouais. Un petit peu quand même. On va parler quand même des 54,50 par rapport à cette zone de range ici présente, je trouve. Donc je vais pouvoir sortir, enfin enlever la zone de range précédente. On évolue pour moi dans un graphique désormais horaire où ça consolide aussi suite à la cassure d'un range très important en journalier. On a un point pivot non loin des 54,50. On va parler des 56 à peu près 60 en train d'être testé. Une borne haute pour moi qui va se jouer entre les 64 et les 65 à peu près ici avant le test de la R1. Une borne basse sous le point pivot et sous la R2 déjà cassée puisqu'on a un double creux en fait ici dans cette zone-là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de baisser un petit peu plus le niveau. Mais vous voyez qu'on a des niveaux intermédiaires. Donc pas si simple ici ce trading range sur le gold. On n'a pas une seule et même borne médiane. Alors pour moi, ça demeure quand même hein, les 1854,50. Cette zone-là qui fera vraiment office de partie médiane. Mais vous voyez, vers le bas, on peut être limité déjà avec ces zones-là avant vraiment la borne basse. Donc, trading range, bien évidemment dans la zone. Borne haute, idéalement pour faire un test borne basse, il faudra savoir casser vraiment cette partie médiane à l'heure actuelle, sinon rebond pour une borne haute résistance. Voilà un petit peu ce qui nous attend sur le gold pour ce matin. On ira voir ça en live bien évidemment, puisqu'on regarde l'open aussi et on voit ce qui se passe sur du coup le gold. Pour l'instant, on est en train de casser d'un petit range par le bas pour faire le test du point pivot, idéalement les creux précédents avec notamment les 1854,50. On part sur le pétrole. Le pétrole ici qui réagit par rapport à son PPS1 intermédiaire mensuel, tendance haussière jusqu'à arriver dans une zone de consolidation. Alors ici, rien n'est fait du côté de la hausse encore. Pourquoi? Parce qu'on a respecté le sommet précédent en faisant un creux plus bas. Et on est en train, dans une tentative ici, en train de partir vers le bas de cette zone de range, en fait de recasser tout simplement pour faire à nouveau le test du dernier creux et ça pourrait lancer une nouvelle tendance baissière. Là, on a les prémices aussi en termes de price action d'un début d'une tendance baissière. Donc ce qui va se passer là tout de suite sur cette borne basse zone de range va être déterminant pour le reste. Je vous avais marqué ce range ici sur la borne haute qui a marqué la réintégration de manière très très propre. On va regarder désormais ça comme ça, on va mettre les points pivots et en parler. Point pivot du jour juste au-dessus, il corrobore la borne basse de cette zone de range qui se trouvait sur les 83. Du coup ici, on consolide encore ici. On a une autre zone de range qui s'est établie avec des sommets up. Et des creux, on va parler de sommet sur les 83,85, de creux sur les 82,50 en l'occurrence ici. Ça consolide sur la borne basse en train d'être testée ici. Point médian quasiment, on a deux éléments ici, le PP mensuel, le PP du jour. Donc attention à ce qu'on a à l'heure actuelle. Trading range dans la zone, donc rebond borne basse pour borne haute et vice versa j'ai envie de dire. Par contre en cas de cassure, attention on teste support S1, support S2 et là on testerait les creux du coup qu'on a vu en journalier précédent. Voilà, on en est clairement sur le brain, j'espère que ça vous éclaire bien. On passe sur le Forex, je vais regarder à 6 minutes de open, je vais me dépêcher. On a su casser la zone de range par le bas. Donc c'est une cassure dans le sens de la tendance. Je vous le dis très souvent, on arrive par le haut, on aime sortir par le bas, c'est bel et bien ce qu'on a eu sur l'euro dollar. Donc on est dans un biais directionnel de vente, bien sûr ici à la baisse. On est sorti de cette zone de range incluse dans la zone de range journalière, zone de range horaire. On a su casser, faire le test limite, hein, puisqu'on a, oui, on a eu un rebond ici, ensuite on a cassé, mais ça n'a pas duré longtemps parce que cette cassure était déjà assez importante. Donc ce qui se passe à l'heure actuelle, on va juste nettoyer le petit rectangle ici.
Voilà, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on est élancé à la baisse, on a besoin de respirer, trouver une résistance, par exemple ici. On va mettre des points pivots, on va voir plusieurs choses. Le point pivot ici qui fait office du coup de résistance après cette zone, pardon, support cassé. On a aussi la R1 qui va faire office de zone, le support S1 également du coup mensuel. On va avoir en fait tous ces sommets à l'étude pour tenter de trouver des prix bas pour continuer la baisse. C'est le principe d'une poursuite de tendance baissière. Donc là, on est déjà sur un test du point pivot quasiment de la zone ici qui marque un petit peu le rejet pour l'instant. Ça va être cette zone-là vraiment, support dans le passé, résistance par ici. On ira étudier ça aussi ce matin, bien évidemment, ensemble. Rapidement, le GBP/USD avant l'open. Pareil, on est en train de casser ici la zone de range, on va dire par le bas. Alors attention, ce n'est pas encore du coup une super cassure. On s'arrête pour l'instant sur le support S1, S2, intermédiaire mensuel. Qu'en est-il du graphique OA? Est-ce qu'il va nous donner un peu plus d'indications? Déjà, on est sorti de la zone de range précédente par le bas, donc sans trop de peine. Et là, on décline une tendance baissière aussi, mais pareil, dans une phase de respiration. Idéalement, le prix limite le plus intéressant se trouverait dans la zone des résistances R1 et borne basse de zone de range journalière, les 1,34, 20, 25, dans cette zone-là. Vraiment prix haut pour attaquer un potentiel marché baissier. Et pour l'instant, vous voyez quand même cette mèche pas très loin des creux précédents. Donc on va faire quand même attention à ce que tout ça ne finisse pas en range avec une borne médiane autour du point pivot du jour. Borne haute, résistance R1, borne basse, la zone ici des 1,33, 60. Donc la borne haute, hein, c'était les 1,34, 20, 25. Donc voilà aussi hein, ce qu'on pourrait avoir. Je vais vous montrer aussi ce que ça donne directement sur les graphiques en price action directionnel. LTR. Donc voilà, on en est sur ces marchés-là. À 4 minutes, je me dépêche. L'USDJPY qui a réintégré sa zone de range journalière, pardon, et qui n'a pas su casser pour autant ses derniers sommets et le point pivot PPR1 intermédiaire. On passe sur le graphique ici horaire. On va s'apercevoir du coup qu'on teste les sommets précédents. On a su casser ces deux sommets, ces trois sommets même horaires. On revient déjà les tester. Donc ici, à court terme, on pourrait être tenté par une nouvelle un nouveau test de la borne haute, concrètement de la grosse zone de range. On a le R2, la R2 pardon, du jour et le PPR1 ici également. En cas de réintégration, attention pour un nouveau test quand même ici, donc réintégration des sommets précédents. Attention à un nouveau test aussi des 113,82 parties médianes et support S1 pour l'instant sur cette USD/JPY. Du côté du USD/CAD, on a su en fin de compte partir largement au-dessus du point pivot. Vous rappelez, épaule tête épaule, tendance baissière, ça a consolidé. On est en train de retourner la tendance sur ce graphique-là, mais sur le graphique weekly, ça va être en fait uniquement une phase de respiration pour un potentiel baissier. Donc c'est là où vos points de référence graphiques sont ultra importants. Ça vous donne des tendances qui peuvent être divergentes sinon. Sur le graphique horaire, du coup, ce qu'on va avoir, et bel et bien, du coup, une belle cassure du point pivot. On a à l'heure actuelle, attention, une zone de consolidation avec un double top formé, du coup, autour de la zone ici des 1,25,90. Ouais, ça va être les 1,26. Hein. On va marquer ça rapidement avant l'open. Ça va être les 1,26 par le haut à surveiller. Par le bas, on va parler des 1,25,60. Alors, hop. Peut-être pas. Pourquoi? Voilà, c'est ça ici. Tac. Ouais, par le bas, il va falloir être un petit peu plus large. On va parler peut-être des 70. Voilà, ça sera mieux. Zone de consolidation, les points pivots. Donc, on est au-dessus du point pivot du jour. En dessous de la résistance R1. Donc, on a une zone aussi respiration intéressante ici. Attention pour ensuite une réintégration de la zone de range. Et si on casse, on a de quoi respirer encore un petit peu plus bas. Sinon, trading range dans la zone du moment. Rapidement, si j'ai le temps, à 2 minutes de l'open, on a de la respiration. C'est pas plus mal ici sur ce Bitcoin pour obtenir des prix préférentiels, bien évidemment. Sortie de zone de range, on vient retester côté extérieur cette zone de range. Donc c'est le scénario idéal pour trouver en fait des prix bas dans un marché actuel. Par contre, il faudra réussir à trouver du rebond pour venir au moins tester les sommets précédents. Sinon, attention, réintégration, zone de range et partie médiane autour des 6520 points. Rapidement, l'Ethereum à moins d'une minute de l'open. On va faire ça vite. Pareil, on a réintégré, ressorti. On est limité par les sommets précédents et la R1 du jour. Donc attention, on se maintient à court terme peut-être sur le point pivot. Donc voilà, on en est. On ira voir 2-3 petites actions dans notre séance. Aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez des actifs que vous favorisez aussi, que vous aimeriez voir dans ces séances-là. On va regarder du coup le DAX, le CAC. On va passer sur du M1 un peu partout. Pour y voir du coup les mouvements. Ce que ça donne à l'heure actuelle justement, c'est une tendance baissière en début possible hein, sur le DAX. Bon, on se maintient par rapport au support majeur de la Big ML ici. Ça règne sur le plus petit graphique. On a de la tendance baissière pour l'instant aussi sur le CAC 40. On a un FTSE 100 qui range un petit peu. On va voir s'il est capable de casser. Qu'est-ce qui se passe sur le gold?
le gold qui va repartir sur un scénario de baisse possible. L'euro-dollar, on en parlait tout à l'heure aussi, baisse possible. D'ailleurs, on va aller voir, on en est sur le graphique. Alors, si j'arrive à tout décaler, c'est l'open ici, on se dépêche. Du coup, l'euro-dollar rapidement ici qui est en train de rejeter, de partir peut-être vers le bas. On va voir si on arrive à rechercher. Ouais, c'est limite, c'est limite. On va regarder aussi le GBP/USD. GBP/USD qui retrace quand même sous pression vendeuse. Donc pour l'instant, des marchés plutôt en baisse, sauf sur le petit graphique, puisque ça hésite pas mal. Début d'une tendance possible à la hausse. Le CAC 40 qui remonte quand même pas mal aussi pour l'instant. On va voir où on en est sur le CAC 40. Voilà, le CAC 40 qui monte. Hein. Le CAC 40 qui monte. On n'oublie pas qu'on est dans une zone de range. On est en train de vouloir rechercher le test de la borne haute. On va voir si on respire un petit peu ou pas. Je vais revenir sur le chat aussi dès que je peux, bien sûr. Ouais, tant pis pour le DAX. Ça s'est passé très vite. Il y avait un début de tendance haussière ici sur le DAX, mais j'étais pas encore prêt. Donc on va voir ici, ça va changer sûrement au bout d'un moment le contexte du graphique supérieur 3.2. En correction, ce FTSE 100 du coup, on a un CAC 40 qui monte, qui repasse dans un range possible. Un euro dollar qui va peut-être rejeter par le bas. Voilà, ça monte sur l'open pour l'instant. C'était très joli sur le petit graphique. Fallait être là. J'ai fini le petit tour de marché un petit peu tard ce matin. Le FTSE 100 du coup qui rebondit aussi pour l'instant. Ça va respirer un petit peu sur le DAX. Alors sur le DAX, on fera attention quand même parce que on en est où sur le contexte aussi. On est déjà en train de tester le sommet précédent. Oui, très, très joli rebond, étant donné qu'on était sorti de la zone de range. Ouais, tendance haussière horaire en tout cas. Hein. Clairement, là on fait attention au sommet précédent pour l'instant. On est déjà pas loin de la borne haute sur le CAC, hein, l'air de rien. Peut-être un peu de rebond ici. C'est un petit peu tôt, mais on va voir. On va voir si la hausse veut se maintenir rapidement ou si elle veut respirer un peu plus. Je pourrais peut-être essayer de vous faire un scénario de pyramidage du coup, ici aussi. Ça hésite aussi sur le FTSE. Range potentiel sur le CAC. Allez, on va tenter aussi une petite hausse ici, en pyramidant un petit peu. Donc là, deux positions en cours. On va voir ce que ça donne à gérer de manière individuelle. Alors on va voir ici. Ouais, je vais pouvoir sortir de partiel de la deuxième position. Donc il y a une des positions déjà qui peut
peut-être sécurisé. Voilà, ici la deuxième position, je peux aller aussi prendre 50%. Et comme ça, les deux positions, je vais pouvoir les sécuriser, les gérer de la même manière. Donc là, je vous ai fait un exemple de deux positions en une. Enfin, pas en une, mais en un scénario. Deux positions en un scénario. Tiens, je vais pouvoir encore sortir de partiel sur les sommets ici pour sécuriser. Donc sur les premiers ici, donc c'est déjà des scénarios gagnants quoi qu'il arrive, hein, puisque ici j'ai sorti sur un premier TP, j'ai sorti sur un deuxième TP, et du coup je vais bientôt pouvoir aussi peut-être sécuriser le tout sur le niveau des 98. Donc là, hop, c'est bon, niveau des 98. Voilà, en plein milieu un peu des deux, donc il y en a un qui sera légèrement 0,8 points en perte et l'autre qui sera à plus 0,5 points du coup. Donc là je suis break even quelque part, de toute façon scénario gagnant quoi qu'il arrive, puisque première sortie partielle par là et deuxième par ici. Donc maintenant soit ça y va, soit ça y va pas, mais en tout cas c'est déjà sécurisé. Petit exemple ici plus particulier de plusieurs positions. Souvent j'aime vous, enfin ça faisait longtemps que je vous avais pas montré de pyramidage. Là c'est un premier prix plus haut que le deuxième, même si des fois je préfère plutôt faire dans l'autre sens. Là du coup ça a été dans ce sens là pour des premiers TP et deuxième TP déjà atteint. Donc on va voir si le marché est capable de tenir, hein, maintenant. Idéalement, qu'est-ce que je vais avoir ici en termes de symétrie de marché? Je vais avoir les 16125, l'extension 61.8 de Fibo c'est 16112. En fait on bataille clairement avec le niveau psychologique des 16100 points. Donc c'est pour ça aussi qu'il est important de pouvoir du coup sécuriser, gérer son risque au fur et à mesure, tout simplement. Donc voilà ici, premier exemple du coup dans cette séance. Si ça tient, ça peut faire un beau scénario, de, je vous le disais déjà, 25 points de plus possible. À l'heure actuelle, du coup j'ai attrapé du 2-3 points sur les premières targets, 4 points par ici aussi sur l'autre. Et ensuite ça a donné du 8 points en général, hein, du 8-9 points. Il y a un gros potentiel par contre en direction des 125, puisqu'on est sur les 105, ça fait 20 points de plus. Pour ça, il faudrait quand même passer les 61.8 de Fibo qui se trouvaient autour des 16115 points. Donc à voir, je vais vous laisser ça en grand. Le CAC 40 qui monte aussi, hein, ça y est, qui avait sa tendance, qui a vu pardon, sa tendance se retourner. On va regarder ça un petit peu. Voilà, pour l'instant ça donne de la poursuite, c'est plutôt bien. Habillé aussi à la hausse. Là, je vous ai fait les exemples ici sur graphique en temps ce matin. Mais bien sûr, vous en doutez en regardant ce qui s'est passé ici sur mon système Renko LTR pour avoir bien les bonnes informations aussi. Je vais pouvoir commencer aussi à remonter peut-être un petit peu le tout en vraiment break-even aussi pour la toute première position. Comme ça, vraiment plus du tout de risque sur ce scénario là. Si ça part pas, et eh bien c'est une sortie à zéro pour ce qui reste des positions, et du coup du 2, du 3 points, du 4 points et du 8 points, 9 points à peu près sur ces sorties partielles réalisées. Voilà, je vais revenir sur le chat. Je vous ai fait un exemple ici dès l'open assez intéressant, je trouve, sur la hausse. Pour l'instant ça bloque, on a un double top ici Renko. Du coup voilà, c'est en train de se décider. Voilà, je pense que je suis sorti, alors bientôt sorti en stop suiveur. Parce qu'en fait on va même commencer à range, et vous avez les premières bougies ici de l'histogramme en gris qui marque qu'on est en train pour l'instant de potentiellement ranger. Je suis toujours en cours sur du coup ces scénarios là, on va voir ce que ça donne. Alors c'est marrant, il y a une des deux positions qui était un tout petit peu plus haut qui est sortie. Donc il me reste une position en cours au final. Je reviens sur le chat du coup ici. Fadila qui nous dit bonjour Jérémy, bonjour à tout le monde et bonne journée de trading. Merci, bienvenue à toi aussi Fadila. 64 likes, merci à vous tous. Du coup, ça fait plaisir. Freddy qui nous dit bonjour à tous les traders, bienvenue aussi à toi Freddy. Cédric qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi aussi Cédric.
Jonathan qui nous disait, je vais vous embêter avec mes questions. Pas de souci, Jonathan. Vas-y, vas-y, attaque. Mais au niveau du coup du forex, j'ai remarqué que les cours continuaient d'évoluer la nuit alors que sur les marchés, du coup, sont fermés. Est-ce que c'est normal? Peut-on continuer à trader? Oui, le forex, c'est sa particularité, si tu veux, de ce marché-là, c'est qu'il est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Donc tu peux trader à n'importe quelle heure. Ça ne veut pas dire que toute heure est bonne à trader, si tu vois ce que je veux dire. Faut faire attention aussi à ça, puisque ça va pouvoir jouer dans tes résultats. Mais voilà, c'est un marché qui donne des opportunités tout le temps. Côté indice boursier, tu as ces fameuses clôtures des heures de bourse quelque part. Même si par exemple chez Admiral, tu as les cotations de nuit sur le DAX. Et après, tu peux aussi varier les plaisirs hein, sur les indices boursiers en allant sur les indices boursiers aux horaires de trading. Par exemple, si tu es en pleine nuit, tu as les actifs du coup boursiers asiatiques, tu as l'Australie par exemple aussi, tu as ce genre de choses aussi. Mais c'est vrai que le Forex offre de toute manière une grande diversité possible d'actifs, puisque tu, enfin d'actifs en soi, en parlant bien sûr de paires Forex, puisque tu as des tonnes et des tonnes de paires Forex que tu peux du coup aller étudier pour trouver l'opportunité du coup que tu cherches dans un panier, dans un portefeuille de paires Forex aussi. Donc pour l'instant, ça monte, ça se tient. Je vais pouvoir commencer à sécuriser même un peu plus sur les 103. 102, 103. On va sécuriser ça comme ça. Donc dernière position qui reste. L'autre était un petit peu trop remonté en manuel ici. Du coup, je suis sorti du coup bien sûr les 16098 de l'une des deux positions. Bon, c'est pas grave. C'est aussi le manuel ici qui est un peu moins précis que la machine. Mais du coup, petite démonstration, elle est du mini terminal ce matin. Voilà, ça pousse encore plutôt bien. Je vais avoir des concordances ici, je vais vous montrer ça. Je vais avoir des concordances avec ces extensions de Fibo. Les 61,8 de la jambe récente hein, qui sont déjà passées, les 100% qui sont là. Donc concordance déjà un petit peu autour de cette zone-là, des 16 115 vraiment, et ensuite concordance parfaite là-haut sur les 16 125 entre des 100% de symétrie de marché précédente et les 120 61,8 de Fibonacci. Donc un niveau, les 125, qui va vraiment m'intéresser ici sur lequel. Alors là, pareil, déjà je vais pouvoir reprendre une sortie partielle. Je vais reprendre du, tiens, du 25%. Garder encore sur la position tout l'intérêt des micro-lots pour vraiment pouvoir sortir de manière partielle autant de fois limite qu'on veut. Continuer de sécuriser un maximum, rester dans le mouvement jusqu'à ce qu'il puisse, enfin jusqu'à ce qu'il se retourne potentiellement. Hello, nous disait Jake. Bienvenue à toi, Jake. J'espère que tu as bien ce matin. Michel qui nous dit avec MT4, passer en dynamique d'un compte démo à un compte réel et inversement, j'ai essayé, ça pose problème. D'après ton expérience, est-ce mieux avec MT5? En dynamique, tu nous disais. Alors ça veut dire que tu trouves que quand tu es sur compte réel MT4, ça rame plus que quand tu es sur compte réel MT5, c'est ça que tu veux me dire Michel? Hubert qui nous disait bonjour à tous du PACA, bienvenue à toi Hubert aussi. Didier qui nous disait plus 102 euros en scalp, premier trade. Félicitations à toi Didier, bravo, très très beau score, ça fait plaisir. Hervé qui nous disait bonjour à tous, bonjour Jérémy, max de pouces, merci beaucoup, 71 likes déjà, ça fait vraiment plaisir. Merci à chacun d'entre vous qui avait appuyé sur ce petit bouton bleu aussi. Hein. Brito qui nous disait bonjour Jérémy, est-ce possible, bienvenue à toi Brito déjà, hein. Est-ce possible de ne pas faire un dépôt chez Admiral tant que je ne maîtrise pas ma stratégie? Alors si tu veux pouvoir co continuer d'avoir tout simplement le compte de démonstration plus d'un mois, il faut faire un dépôt. Si tu veux pas faire de dépôt, tu peux tester le compte de démonstration pendant un mois, mais après il faudra du coup que idéalement que tu fasses un dépôt, mais pour autant t'es pas obligé de le trader. Ça te coûte rien de faire le dépôt, tu peux le retirer, etc. Ça ne te coûte absolument rien. Par contre, une fois que tu as fait un dépôt, tu es client et à partir de là, tu as un compte de démonstration du coup que tu gardes et que tu vas pouvoir du coup toujours utiliser. Régis, pardon, qui nous dit bonjour, bienvenue à toi Régis. Michel aussi qui nous dit merci pour le pyramidage. Il faut que je revoie l'enregistrement. Pas de souci, Michel, t'hésites pas. Les lives sont tous enregistrés, donc c'est pas un souci. Christina qui nous dit bravo, bien joué, trade intelligent, sécurité pardon, du risque, comme d'habitude, propre, bravo Jérémy. Merci beaucoup Christina, merci, merci beaucoup. Alors c'est en train de corriger, on va voir si la prochaine phase de respiration, le stop suiveur peut quelque part, si tu veux, l'absorber. Bon, il y a peu de probabilité puisqu'on s'en est quand même bien bien rapproché. Et un scénario du coup qui a donné pour un point plus haut pour l'instant l'extension symétrie de marché de la deuxième vague, donc les 115, là où je suis sorti d'une autre partie de ma position. Donc on va voir maintenant le stop suiveur, de toute façon, qui lui tout seul aussi fera 4 points, tandis que mon point le plus haut atteint faisait 16 points ici sur des petites positions. C'est du M1.
en l'occurrence. Ici, donc le FTSE 100 qui continue de consolider, le CAC 40 qui va commencer à respirer, on va avoir un GBP/USD aussi qui respire, alors je vais vous montrer tout ça hein, sur les graphes là. Alors, on a bel et bien de la baisse sur le gold, on a aussi de la baisse attendue, mais plus compliquée puisque gros retracement quand même hein, sur le GBP, ça y est, je suis sorti, je pense, on va aller voir ça, l'euro/USD qui commence du coup à rejeter par le bas, comme on le disait, que c'était possible, on respire désormais. Aussi sur le DAX, sur le graphique supérieur. Donc voilà, sortie sur mon stop suiveur pour du 4 points. Voilà, dernière sortie hein, sur les 16102. Avec du coup comme point d'entrée, voilà 4 points ici. Donc voilà, petit exemple, pyramidage, plus particulier que ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Je vous avais fait déjà d'autres exemples de pyramidage, mais ce matin j'ai trouvé que l'opportunité s'y prêtait. C'est ça aussi, réagir au marché en fonction de ce qu'il nous propose. Du moment qu'on a ce qu'il faut dans notre boîte à outils, dans notre plan de trading, dans notre stratégie, on peut le mettre en place et l'utiliser. Le petit Nicolas qui nous disait, salut à tous, bienvenue à toi le petit Nicolas. Dan aussi qui nous disait, s'il vous plaît Jérémy, pouvez-vous faire une petite courte présentation du mini terminal? Merci beaucoup. Alors le mini terminal, c'est un outil qui fait partie de l'édition suprême chez Admirals, qui comporte pas mal de petites choses. On a le chart control qui nous permet de faire plein de choses graphiques, c'est-à-dire déjà mettre ou enlever la grille. On a pas mal de petites choses, là ça nous montre les niveaux des trades quand tu es en position. Tu as plein de petits boutons qui va te montrer par exemple ici. Hop, si je le désactive, hop, s'il veut bien, du coup ça t'enlève les colonnes bleues et rouges. Les colonnes bleues et rouges qui sont, soit dit en passant, très très intéressantes puisque vous pouvez ici mettre des ordres stop d'achat ou limite d'achat et des ordres du coup stop sell, donc stop de vente et limite de vente. C'est tous les ordres en fait que vous pouvez placer en attente au-dessus du prix ou en dessous du prix que vous souhaitiez acheter ou vendre, le tout à l'aide du coup de la colonne bleue et rouge qui est plutôt bien pensée je trouve ici aussi. Donc voilà pour quelques petites fonctionnalités rapides. Moi par exemple, je vous affiche très souvent la touche HLS. Ça te permet de voir directement le point le plus haut, le point le plus bas du coup du marché tout de suite maintenant. Les points pivots du jour aussi. La touche HST, je vous la mets quand je vous fais des trades en fait sur ce mini terminal, sur ces graphiques en temps. Pour vous montrer en fait point d'entrée, point de sortie, que ce soit pour les TP, pour les stops, etc. La touche CNT par exemple aussi très pratique pour que tu retrouves en fait ici du coup le temps qui te reste sur les bougies en temps avant la clôture. Tu as aussi une indication symbole information sur une indication de tendance du graphique sur lequel tu trouves momentum et force, donc strength en anglais. Tu as aussi le rappel, ici depuis minuit, est-ce qu'on monte, est-ce qu'on descend sur l'actif? On fait plus 0,06% du coup, ça fait 18 pips, donc attention on est sur du DAX, donc c'est en point. On est d'ailleurs en zone de retracement un petit peu ici, donc c'est dommage, il y avait du rebond peut-être aussi à attraper, mais là on est sur autre chose pour l'instant. Donc voilà, ce mini terminal comporte aussi d'autres choses, tu peux avoir vraiment pas mal de petites choses. Si on va tout afficher ici, ça te donne tout ça. Partie volume, là tu peux sélectionner rapidement la taille de l'eau que tu veux. L'information du compte, donc tu as les gains, pertes latentes, le fonds disponible, le sol, la marge disponible, la marge bloquée, etc. Tes positions ouvertes, si elles sont en cours, elles sont là. Ta taille de position, tu peux calculer ici aussi. Et là, trading central, ça t'emmène sur d'autres choses ici pour avoir aussi une partie analyse. Je te montre ça ici, ça fait partie aussi bien sûr des avantages de l'édition suprême chez Admiral. Tu as des analyses aussi à disposition tout au long de la journée sur les actifs de ton choix, à court terme, à moyen terme, à long terme également. Donc ça c'est des petites choses que tu as en plus. Tu peux aller regarder n'importe quel paire, GBP par exemple, USD, tu vois, tu vas retrouver GBPO, tu peux retrouver tout ce que tu veux en fait comme actif. Alors apparemment GBP/USD, pourquoi il veut pas le GBP/USD? Côté GBP, on va regarder côté Forex. Bon, déjà tu as du GBP4 par exemple ici, voilà, ça te donne des informations à chaque fois. Tu peux te déplacer sur le graphique, voir ce qui se passe, des indications moyen, court terme, long terme, etc. Donc voilà, pas mal de petites choses quand même hein, dans ce mini terminal. Le rebond qui n'a pas tenu, on a su retester juste ici hein, les 100, en fait les 16100, et ensuite on est reparti à la baisse. Donc voilà, le petit graphique déjà en deux points qui est déjà côté baissier sur une extension 61.8 de Fibonacci. Gros retracement profond, hein, très profond sur le CAC 40 ici d'ailleurs.
qui fait un sacré retracement. On est bien parti à la baisse hein, sur le gold aussi. Le FTSE 100 qui va vraiment ranger pour l'instant. Ça rebondit un petit peu sur le CAC. On va voir s'il y a quelques petits points à attraper peut-être. Un FTSE 100 qui commencerait à tester ses creux précédents. Une partie plus risquée puisque face au 7075, si je regarde le graphique ici, on est face à la Big ML, donc ce qui laisse quand même peu de marge de manœuvre. Bon, on va voir si on peut aller juste rapidement chercher quelques petits points sécurisés et ensuite voir s'il y a un plus gros scénario derrière. Et idéalement le test des 75 un peu plus haut. Voilà les 75 de petits points. Et comme ça, on va voir la suite. Peut-être pour un plus gros potentiel, hein, étant donné la vague de respiration qu'on a eue ici. Je reviens sur le chat du coup ici. Voilà Dana, dis-moi si tu as des questions plus particulières, hein, vraiment plus précises sur Militarmia. Il y a beaucoup de choses à dire sinon puisque c'est un outil très complet. Alexis qui nous dit le CAC superforme par rapport du coup aux autres indices, non. Alors, si on regarde justement ici, en effet, pour l'instant, tu as depuis. Alors ça dépend le point de référence que tu fais, mais tu vois ici le mini terminal qui te dit par exemple que depuis minuit, depuis le début de la journée, en fait, oui, il superforme par rapport aux autres, puisqu'on est sur un DAX qui est à moins 5 points depuis le début, moins 21 points sur le FTSE, tandis qu'il y a plus quasiment 10 points sur le CAC. Donc oui, en ce moment, oui. En ce moment, oui, sur cette journée-là, oui. Intrépide qui nous dit bonjour à tous, bon week-end à toi aussi Intrépide, bienvenue. Michel qui nous disait aussi ici, je voulais dire basculer mon compte réel pour passer à un compte démo, cours de séance. Tu peux le faire sur MT4 et MT5, je vois pas pourquoi il y en a un qui serait plus lent que l'autre. Surtout que MT4 par défaut est plus léger, moins demandeur de ressources de ton ordinateur aussi. FRJ qui nous disait Didier Dufour, tu trades comment? Tu trades en Renko. Zerkop qui nous disait bonjour Jérémy, que veut dire couvrir avec le panel tout fermé? Alors, avec le panel tout fermé, couvrir ici. Alors, tiens, on va faire un exemple ensemble. C'est pas une partie ici que j'utilise très souvent. Des fois, inverser encore, c'est très rare. Mais couvrir, on va voir ce que ça fait ensemble. Tu ouvres une position de vente directement en fait, et je pense même que c'est normalement égal à ta position d'achat. Moi je vais la fermer puisque je suis dans mon scénario de hausse, mais on a fait la petite démonstration ensemble. C'est bel et bien edger en fait ta position, c'est-à-dire que tu ouvres une position dans le sens opposé à ta position actuelle. Si tu fais inverser, ça clôture ta position actuelle pour ouvrir ta position dans l'autre sens. Donc là on est en train de remonter un petit peu, c'est plutôt bien autour des 80. Je peux aller reprendre partie de position 25 en l'occurrence sur le billet acheteur que j'avais ici. On va voir si on est capable de rechercher des tests plus haut, hein. On va voir si on est capable d'aller rechercher les tests des sommets précédents par exemple. Ce qui ferait déjà 20 points de hausse, hein, sur ce CAC.
Je vous ai fait déjà du pyramidage du coup sur le DAX et là un achat rebond sur le CAC 40. Souleymane qui me dit bonjour. Pour moi, ce qui s'est passé sur le DAX 40, moi j'appelle ça une stratégie de la fausse cassure. Alors pourquoi une fausse cassure dans le sens où si tu veux pour moi. Ah, je pense que tu parles de ça ici, la mèche, fausse cassure par rapport au sommet. C'est une réaction, oui, en tout cas pour l'instant par rapport au sommet. Tout dépend de la référence du graphique que tu utilises sous les mains. Sur certains graphiques, ce sera de la fausse cassure, sur d'autres graphiques, ce sera une cassure confirmée. C'est pour ça que les points de référence de vos graphiques sont ultra importants. Rossil qui nous dit bonjour, bienvenue à toi. Rossil Dan qui nous dit s'il vous plaît, Jérémy, quelles sont les informations que vous fournissez par le chat RLS futur au présent, merci. Alors Dan, tu parles de la touche HLS, je pense. Et quand tu dis parler de chat, je comprends pas tout ici, du coup Dan. Tu veux peut-être dire les informations par rapport à la touche HLS. Les informations de la touche HLS, c'est te permettre de voir, par exemple ici tu vois sur le footsie, le dernier sommet, le dernier creux. Je vais vous retourner hein, le webinaire spécial sur la structure de marché où tu verras, j'en parle et du coup ça t'apportera pas mal d'éléments de réponse, je pense, si c'est de ça que tu parles. Zerkop qui nous dit ok merci, je t'en prie. Mélan Hamad qui nous dit le CAC a fait son retracement de Fibo. Oui, très certainement, hein, si on affiche ici du Fibo. Alors moi j'ai du Fibo automatique, c'est pour ça que j'ai pas été le tracer. Je l'ai ici le Fibo automatique, il a même été jusqu'au 78,6 de Fibo jusqu'au 71, pardon, 7071. Du coup, ouais, en effet, là il est en train d'hésiter un petit peu. D'ailleurs, hop, je vais aller voir si je peux passer, commencer à sécuriser. Je vais attendre un petit peu. Je peux commencer à remonter, remarque, un petit peu autour des 7070, mais je pense que j'y étais déjà. Voilà. On va attendre encore un peu. Mélan Hamad qui nous parlait des 61,8. Alors, selon tes points de référence, ouais, tu as été soit sur les 61,8, soit, comme j'ai vu sur mon graphique du CAC en Renko LTR, même plus bas, selon le point de référence que tu utilises. Le petit Nicolas qui nous dit Admiral Market propose aussi des comptes spécifiques crypto qui performent du coup bien en ce moment. Ouais, bien sûr, hein, les comptes crypto que tu peux avoir chez Admiral, c'est à travers du coup tes comptes Trade MT5, hein. Regarde, on va aller voir ça sur le site ensemble. Donc pour trader en ligne, on va avoir les comptes de trading ici. MT4, MT5. Trade MT4 avec le 0. Mais le 0, vous allez voir que du coup, vous n'avez pas ces cryptos. Les cryptos vont se trouver concrètement ici du côté trade MT5. Vous allez avoir pas mal de crypto-monnaies possibles du coup à trader. MT4, vous en avez quelques-unes, mais beaucoup moins. Ça va être tout simplement plus restreint, puisque ils ont fait vraiment tout pour orienter vers la plateforme la plus récente, la plus complète, où vous retrouvez du coup pas mal de petites choses. Alors, est-ce qu'on va avoir du rebond autour des 7075 points sur le CAC 40 qui me permettrait de remonter encore mon stop loss ici, suiveur, et de bénéficier potentiellement d'un scénario jusqu'à 20 points pour le test des sommets précédents. Didier qui nous disait Dan Renko LTR, oui, mais en démo pour le moment. Encore bravo hein, d'ailleurs Didier pour ton score de ce matin. Donc le contexte actuel ici c'est quoi? Alors pendant qu'on parlait on a eu encore un petit rejet par le bas ici hein, sur le graphique en 2 points. Je vous rappelle que c'est un équivalent du graphique M1. Là on est en train de rebondir. On va voir si on a un creux plus haut que le creux précédent. On est bel et bien sur de la baisse hein, depuis tout à l'heure sur le gold. Le FTSE 100 qui commence seulement à pouvoir s'orienter vers le bas également. L'euro dollar qui hésite à continuer à la baisse. Et pareil hein, pour le GBP/USD pour l'instant. De likes jusqu'à présent, merci beaucoup, ça fait très très plaisir. Je vous rappelle du coup qu'on fait des webinaires désormais, hein. C'est vrai que le webinaire de mardi soir du coup sera disponible sous forme de vidéo la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. L'enregistrement du coup qui a eu un petit souci, mais en tout cas on était live mardi soir ensemble et c'était très intéressant. Donc je vous mets bien sûr une vidéo correspondante très prochainement sur la chaîne YouTube et je vous parlerai bientôt également des prochains webinaires qui vous attendent tous les mardis soirs aussi chez Admirals.
FRJ qui disait du coup à Dan, bravo quand même avec l'histogramme ou sans l'histogramme, bon courage en réel, disait Dan. C'est sympa, merci pour Didier en tout cas. Christina qui nous est exceptionnelle, Jérémy toujours calme avec tous, humble, ouvert. Merci Jérémy pour l'attitude, les explications, etc. Merci beaucoup Christina clairement pour ton message, ça me fait super plaisir. Yes, ça avec la petite musique en plus hein, derrière qui permet de rester. Dans une bonne ambiance, je trouve, hein, dans ces séances, le trading qui a besoin aussi de calme et d'appréhender les choses avec du recul. Donc, c'est ma façon de faire. Je suis bien content de voir que ça te plaît vraiment, Christina. Merci beaucoup à toi. N'hésitez pas à liker, à partager. Plus on sera nombreux et plus on pourra faire ce genre d'événement. Soit des webinaires si ça vous plaît d'autant plus, soit bien sûr des séances en plus sur ces marchés live qui offrent de nombreuses opportunités le matin, l'après-midi et même le soir. Ça redescend un petit peu, sécurisé en tout cas ici sur ce CAC 40. On est en train de revenir dans un range, vous voyez avec l'histogramme, les premières bougies en gris pour le moment ici. Le FTSE qui part à la baisse hein, pour l'instant. Il y avait encore des opportunités clairement sur ce petit graphique en deux points, assez intéressant aussi. Christina qui nous dit lol, oui, excellent, excellent Christina. Alors, ce cas, qu'est-ce qui va repasser sous la barre des 70? Sinon, stop suiveur atteint, c'est pas bien grave. Le plus beau ici hein, des mouvements était déjà sur ce pyramidage de fait sur le CAC 40. Il y avait d'autres choses à faire, mais après, bien sûr, hein, je vous montre pas toutes les opportunités. Sinon, j'aurais pas le temps d'échanger et de répondre à vos questions. Le petit Nicolas qui nous dit super, je pourrais le regarder en replay. Ouais, parfait, Nicolas, parfait. Didier qui nous disait merci sans l'histogramme pour le moment et Zachary qui nous disait à l'ouverture quand tu as dit bougie noire sur le Renko, est-ce que tu trades ou tu attends que ça se calme? Alors justement Zachary, j'attends que ça se calme. Pour moi ces bougies noires que j'ai voulu du coup en supplément de mon système sont vraiment des références pour y comprendre que le marché des fois est très très nerveux et que ça va très très vite. Et que du coup c'est pas le bon moment. Je préfère en fait voilà le stop le suiveur ici atteint sur le CAC. Je suis sorti du scénario de hausse en rebond ici. Du coup voilà ici ce que je préfère dans mon trading, c'est être impliqué avant que ce marché s'énerve un petit peu, s'excite un petit peu. Et comme ça dans le pire des cas, bien je peux être slippé en positif sur des positions du coup qui montent. Ça arrive aussi que ce soit en négatif si c'est trop nerveux et que ça rejette après avoir touché le TP bien sûr. Mais je préfère que ces conditions-là s'appliquent à ma sortie de position plutôt qu'à mon entrée de position. Parce qu'un slip edge sur entrée de position, ça va du coup faire en sorte que déjà bah, le stop. Selon comment vous codez les choses, hein. Nous on a codé pour que ce soit respecté, mais le problème c'est que ça agrandit quand même votre risque. Et que c'est le niveau de prix du stop qui compte, pas le. Enfin, qui compte le plus, puisque c'est les probabilités d'atteindre ce niveau-là qui sont étudiées. C'est pas le montant en euros qui se trouve à l'intérieur, puisque avec du slippage, votre montant en euros va augmenter malheureusement, vu que vous avez eu un prix désavantageux. Bon, après, vous avez aussi du slippage positif, hein, ça aussi, faut en être conscient. Mais en tout cas, il faut prendre du coup, enfin, faut faire attention à ces éléments-là. Et quand tu vas, par exemple, regarder sur le graphique plus petit, c'est là où tu en as le plus, hein, de toute façon. Plus tu vas sur des tailles Renko petites, plus tu auras ces bougies noires, par exemple. Et tu vois, là, on a des bougies noires, on a des bougies noires ici aussi, un petit peu. Là, on a des bougies noires aussi, etc. Donc ça, c'était un breakout, par exemple, qui m'aurait enfin, qui m'aurait clairement intéressé. J'étais pas dessus, puisqu'on avait à peine fini les graphes et j'avais pas eu le temps de m'y coller. Mais tu vois, par exemple, ces bougies noires qui arrivent, ça aurait été dans le sens de mon trade. Donc c'est là où c'est le plus intéressant quand elles apparaissent. Après qu'elles soient là ou pas, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que ces bougies noires-là, pour moi, représentent aussi un filtre supplémentaire. Quand il y a trop de bougies noires, je ne trade pas. Tout simplement, j'attends que ça se calme en effet. Et j'attends que ça se calme pour obtenir un prix dans des mouvements en fait qui sont susceptibles ensuite d'être élancés. Et peut-être que là, il y aura des bougies noires par la suite. Et à ce moment-là, c'est moins grave. Voilà un petit peu pour répondre à ta question par rapport à ces bougies noires ici qu'on retrouve sur pas mal de graphiques puisque c'est vraiment un filtre important aussi. Très très beau mouvement baissier ici aussi. Du coup, l'extension symétrie de marché touchée quasiment même celle d'après, c'est-à-dire les 127 de Fibo. Mais pour le coup, ouais, c'est plus les 100% qui sont respectés ici. Très très beau mouvement. Il y avait combien? Il y avait 18 points jusqu'à l'extension de symétrie de marché.
Donc on réintègre sur le CAC aussi à la zone de range. Par contre ici, quand on va aller sur le DAX, on va remonter 2 secondes sur le graphique horaire, on va voir qu'on est en train de tester vraiment les creux précédents et ce point pivot qui va faire office à toute cette zone-là, comme je vous le disais en début de séance, qui peut véritablement faire office de zone support dans un premier temps. Donc on va faire attention. Grosse mèche pour l'instant, on a combien de temps? 25 minutes encore ensemble, bien sûr, de toute façon dans cette séance, mais aussi sur la clôture de cette bougie horaire. Donc pour l'instant, vous avez vu la mèche du côté haut de cette bougie en formation. On va voir si ça finit pas le tout, bien sûr, par réintégrer également la zone de range. Pour ça, il faudra réussir à passer une zone support et la transformer en résistance. Alors que dans un premier temps, ça va être étudié plutôt comme des rebonds potentiels. Donc il faudra faire attention aussi à ça. Samantha qui nous dit bonjour, pourquoi autant de spread sur le Solana, s'il vous plaît? Alors Solana, si tu veux, on peut aller le voir. Tac, 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 je ne l'avais pas gardé là. Du coup, Solana, il me l'a mis dans la liste. Il me l'a mis où? Ah voilà, ici, je me disais aussi. Alors les spreads sont fonction aussi de la volatilité du marché. Donc là on va étudier le spread d'un point de vue daily. Ouais. Hop, ici. Tu vas avoir un écart quand même, bien évidemment. Les crypto-monnaies, si tu veux, qui sont des marchés aussi très très volatiles. Pour les crypto-monnaies, le plus intéressant, ça peut être d'étudier vraiment des graphiques plus grands. Comme par exemple, je vous montre en général, et d'ailleurs ce matin on a fait un point, mais très rapide, hein. Ici sur le Bitcoin, tu vois, le spread est déjà plus petit. Et là, c'est un graphique H4. Quand tu vas par exemple sur du D1, tu vas voir que du coup, ici pour prendre des positions en D1, c'est vraiment beaucoup plus serré, donc plus avantageux, bien sûr, aussi. Donc après, ça dépend si tu fais du swing trading. Bien sûr, le scalping, ça va être plus compliqué. Mais pour du swing trading, par exemple, des cryptos comme le Bitcoin, ça passe très bien. Il y avait l'Ethereum aussi qui passe très bien aussi. C'est là où on a les meilleures conditions. De toute façon, en ce moment, tu vois, sur ces graphiques-là, même en H4. Du coup, et après, du coup, ouais, Solana, c'est une crypto assez récente chez Admirals. Donc c'est aussi peut-être pour ça. Ça prendra un peu plus de temps, mais on arrivera normalement à réduire ce spread au fur et à mesure. Du coup, hop, on en est où sur le chat? Je reviens ici voir s'il y a des questions. Christian qui nous dit vivement qu'on puisse vous avoir du coup dans les sessions de l'après-midi tous les jours, Jérémy. Merci beaucoup Christian, ça fait plaisir. C'est vrai que ça serait intéressant, hein, clairement, de passer le matin et l'après-midi ensemble. Yannick qui nous disait plein de petites choses, je sais pas ce que tu voulais dire Yannick. Didier qui disait, Yannick, du coup vous êtes endormi sur le clavier. Michel qui nous est super cool, les topos, merci, tu maîtrises à bloc. Merci beaucoup Michel, ça fait plaisir. Et merci pour les pouces, clairement. Samantha qui nous dit, alors ça, voilà, on l'a vu à l'instant. Vivi qui nous dit, comment appelles-tu la période de cotation du DAX après sa fermeture journalière? Ces fluctuations nocturnes sont-elles intéressantes à trader? Sont-elles aussi corrélées à tout ce qui se passe sur le marché? Alors, je vais répondre à chacune de tes questions. Donc déjà, oui, corrélées à ce qui se passe sur les autres marchés. C'est des cotations de nuit, en fait. Hein. Moi, j'appelle tout simplement ça comme ça. Et après, est-ce que c'est intéressant à trader ou pas? Moi, personnellement, je ne vais pas les trader parce que, justement, c'est des cotations de nuit. Si je veux trader la nuit, je préfère aller trader les actifs correspondants à ces horaires-là. C'est un peu comme ce que je vous dis souvent. Moi, le matin, j'aime trader le DAX, le FTSE, par exemple. L'après-midi, je préfère trader le Nasdaq et le Dow Jones 30. Je ne vais pas m'amuser forcément à trader le DAX l'après-midi aussi parce que je préfère coller, en fait, aux heures d'ouverture les actifs qui correspondent aux heures de bourse dans lesquelles on se trouve. Zachary qui nous dit merci pour ta réponse, je t'en prie Zachary. Samantha qui nous dit c'est ok, merci, parfait Samantha. 95 likes, on y est presque, merci beaucoup à vous tous, hein, bien sûr, pour les likes. Ici, on en est où pour l'instant? Du coup, ça corrige, on a la Big ML qui se retourne aussi sur le petit graphique pour l'instant. On a un CAC 40 qui est dans une tendance baissière qui ne demande qu'à continuer. Et on a du coup de la respiration, mais vous voyez, on casse un sommet, on casse un creux, on n'est pas dans de la tendance sur le graphique ici du DAX en 3.2. Par contre, c'est ce foutissant qui veut continuer petit à petit, difficilement, mais sûrement, j'ai envie de dire, pour l'instant, de descendre. On est sur l'extension 100% symétrie de marché, un double creux réalisé ici. Si on arrive à casser, on pourrait aller sur l'extension suivante, mais pour l'instant ça bloque bien sur la zone des 7000. Alors c'est quoi? C'est 7360, 358. Regardez, ça correspond au point pivot du jour, la borne basse de la zone de range de toute manière. Donc pour l'instant, difficile à l'heure actuelle de casser un peu plus la zone.
Ça y est, on a passé la barre des 100 likes. Merci à vous tous. 163, je vais y arriver. 103 likes ce matin. Jusqu'à présent, ça fait vraiment plaisir. J'espère vous passer en tout cas une excellente semaine en notre compagnie. Il y aura bien sûr d'autres lives la semaine prochaine. J'irai voir le calendrier économique aussi, hein, voir s'il y a des choses qui nous attendent, du coup, ensemble ou pas. Sur ce calendrier économique en l'occurrence. Donc, vu que les marchés sont relativement calmes, on va regarder ça un petit peu. Du coup, la semaine prochaine, lundi, mardi, non. On va regarder à partir de mercredi. Taux d'inflation britannique. On va avoir aussi taux d'inflation américain. Jeudi, qu'est-ce qu'on va avoir? Pas grand-chose hein, sur le calendrier économique. Le vendredi. Ouais, je pense pas que la semaine prochaine, on aura un event sur le calendrier économique. Il faudra sûrement attendre la semaine d'après. On va aller voir ça d'ailleurs. Vous pouvez aller comme ça hein, projeter bien sûr les séances et les semaines à venir sur le calendrier économique, c'est assez pratique. Des minutes du FOMC ici. À voir ouais, si on peut faire un live pour ça. Donc ça s'est énormément calmé pour l'instant. On a un CAC qui pourrait du coup peut-être continuer la baisse. Fonction du test rejet possible des 70 ici. 75. Peut-être un petit peu de baisse à venir, on va voir ça. Trois, quatre points pour aller chercher les tests du creux précédent. Vivi qui disait merci pour la réponse Jérémy, je t'en prie Vivi. Et Didier qui nous disait du coup plus de pouces bleus pour le live de Jérémy s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup Didier pour ton soutien, on est à 112 likes, c'est énorme. Si on arrive aux 125 c'est parfait aussi pour finir la séance. Le GBP/USD qui continue de monter un petit peu en 5 minutes ici, on va refaire un petit point Forex hein, si vous voulez. Le graphique horaire qui nous montre une respiration possible, je vous avais dit jusqu'au sommet même précédent, la R1 etc. Donc pourquoi pas étudier. Mais ça viendra sûrement un peu plus tard. Pour l'instant on est toujours dans le mouvement pour s'y rendre potentiellement. Du côté de l'euro dollar, on en est où? On va repasser aussi sur un graphique horaire 2 secondes. Ouais c'est pareil hein, c'est cette zone là qui serait la plus intéressante dans un premier temps. Dans le passé, office de support, ici résistance attendue. L'USDJPY, on est en train de casser le creux précédent pour faire le test du point pivot. Ça pourrait nous entraîner jusqu'au 113,85 à peu près, test du support S1. L'USDCAD qui réagit sur la borne basse de sa zone de range pour l'instant. Du coup, du Bitcoin hein, qui est sur des prix intéressants puisque retracement en train de tester. Alors c'est pareil ici, on a la touche HS qui nous permet d'y voir clairement une zone de consolidation. En cas de break par le haut, ça peut être un retour sur des zones précédentes ici aussi. En termes de point pivot, on avait quoi? L'AR1 par là, voilà l'AR2 qui corrobore vraiment ces creux précédents. Voilà, ça se maintient sur du support pour l'instant sur l'Ethereum. Le Ripple ici aussi, le Ripple je voulais pas montrer, hop, ici en graphique daily on a les points pivots, on est donc dans une tendance aussi, on a fait encore un sommet plus haut que le sommet précédent, des creux qui se respectent, mais face à un obstacle résistance R1 mensuel. On est sorti récemment d'une zone de consolidation qu'on a respectée côté externe, mais pour autant on n'a pas su vraiment aller beaucoup plus bas. En termes de points pivot, on a un support S1 qui se maintient bien. On est en train de revenir tester le support, le point pivot, pardon. Et la résistance R1 journalière et mensuelle qui corrobore un petit peu la partie médiane de la zone de range précédente. Donc cette zone de range précédente, je pense qu'on peut l'agrandir un petit peu parce qu'elle va être toujours d'actualité au final. Regardez ici,
rejet encore côté extérieur. Pour autant, on a du mal à casser les creux. Si on finit par casser ici, plutôt comme ceci, pardon, on aura la réintégration de la zone de consolidation. Du côté de Coinbase, je vous avais parlé récemment de cette action du coup, disponible désormais pardon, chez Admirals. On a fait un double creux sur un point pivot PPRA intermédiaire qui correspondait à une zone ici résistance qui devient zone support. Mais depuis, on n'a pas su redépasser du coup, les sommets précédents et se rendre sur la R1. Au contraire, on s'est arrêté sur cette zone aussi de structure précédente. On reste un peu bloqué. Du côté de Tesla, je sais que c'est une action qui vous plaît aussi. On a du coup une très très belle cassure. Hein. Clairement, on a fait un double creux ici, très très belle cassure. On est en phase de respiration weekly. D'un point de vue daily, du coup, c'est des séances dans le rouge, hein, à la baisse pour l'instant ici. Et on a été limité sur un petit rebond pour l'instant du point pivot quasiment mensuel sur le PPRA ici pour l'instant. Apple aussi, hein, je peux vous mettre Apple ici. Apple en weekly, très belle tendance haussière. Creux, sommet plus haut, de plus en plus haut. Par contre, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle en weekly, donc là, il faudra par exemple attendre la fin de la semaine pour y voir potentiellement un creux plus bas que le creux précédent à ce moment-là. Attention à la consolidation sous forme de triangle qui commencera à prendre place ici. Attention, c'est du weekly. Si on descend sur les graphiques daily, on y voit bien justement l'obstacle du moment, la résistance aussi autour des 152,50 et pour autant limitée par le dernier creux et le point pivot mensuel également ici. Donc voilà où on en est, mais vraiment le graphique weekly qui est très parlant, je trouve. Et on a vu aussi hein, Solana ici dans une très belle tendance haussière. Idéalement, plus de respiration hein, sur le point PPRA et sommet précédent. On s'en est approché de cette zone autour des 214-215 à peu près. Ouais. Donc voilà pour ici ces graphiques. Le CAC qui ne veut pas repartir immédiatement. Est-ce qu'on va faire un test rejet désormais là dans la zone des 7073 ici, ce qui est dommage, c'est que la Big ML s'est quand même retournée. Donc on aura un support un peu face à nous. On va voir du coup avec le temps qu'il nous reste. Il est 9h46. Le petit Nicolas qui nous dit du coup Admiral Calendar est super aussi. Oui, c'est vrai, je vous montre souvent la page du site, hein, mais il y a aussi l'Admiral Calendar du coup dans l'édition suprême chez Admiral, ce que je pourrais vous mettre aussi. Hein. Je vais remettre les graphiques en place. Footy par là, voilà, ici le CAC. En train de tester vraiment les 7075. On est sur des retracements de FIBO 61.8 et 78.6, pas très loin de cette zone-là. Sur du CAC qui veut pas du coup pour l'instant repartir illico sous sa zone de range. Hein. Là c'était la première possibilité et là c'est la deuxième possibilité. On va voir si on est respecté autour des 7075 ou pas. Jean-Pierre qui nous disait bonjour, si je n'utilise pas le mini terminal, je ne vois pas le résultat de mes trades sur le graphique sur MT4. Ici dans l'édition suprême, alors attends, ça c'est toujours Tesla, on va remettre quand même le DAX. Voilà. Dans l'édition suprême, tu as un autre indicateur qui est l'indicateur Order History. Ça te permet par exemple, tu vois, si tu n'utilises pas le mini terminal, je vais glisser l'Order History, tu glisses dessus, tu fais tout simplement OK. Et en fait, tu vas retrouver les positions que tu as prises aussi. Regarde ici. Alors là, on va aller sur du M1 pour le voir. Tu vois, ici, il te met les positions que tu as prises. Alors, c'est pas aussi joli, joliment présenté bien sûr que cette touche HST, mais tu as ton point de départ et tu as le trait jusque là où tu as été chercher en fait des profits, là où tu es sorti, etc. C'est une autre solution pour y voir graphiquement en fait hein, tout simplement tes positions en fait historiques. Donc c'est l'order historique, c'est ça, voilà, c'est ça, Admiral Order historique que tu peux du coup utiliser pour ça. Moi j'avoue que la touche HST est très pratique pour vous montrer, l'enlever, pour voilà, pas mal de petites choses. Michel qui nous est du coup trader les open par rapport aux heures de nuit, il y a plus de volatilité et c'est plus dynamique avec des tendances plus dynamiques. J'ai bon, oui tout à fait, bien vu ici Michel, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis là. Zachary qui nous dit que penses-tu du gold pour la journée? Alors on va en profiter ici hein, pour faire des petits récaps en fin de séance. Maintenant c'est ce que je fais, j'espère que ça vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. On va en faire un déjà un petit peu ici sur le gold. Le gold si tu veux est en train de passer son point pivot et son creux précédent. Donc c'était un petit peu la...
le scénario possible pour l'instant, on est en train de confirmer cet élan baissier sous les 1854,50. Donc en fait, c'est du trading en range pour le reste de la journée prévue, avec un billet intraday plutôt baissier si on arrive à franchir bien les 1854,50, direction la R2 et le support S1. Donc R2, attention, qui passe support ici, aux abords un petit peu de cette borne basse de zone de range. Mais pour l'instant, on voit bien le rejet souhaité de la borne haute autour des 1865 $ l'once d'or. Donc pour la journée, voilà, c'est du trading en range. Dans un premier temps, favorisé avec de la baisse parce qu'on arriverait à passer sous ce seuil-là pour revenir quelque part dans la zone précédente aussi, en fin de compte comme ceci, dont la partie médiane se trouvait être ces zones de structure. D'ailleurs, le gold ici qui a initié sa tendance baissière tout à l'heure, ici avant l'open, on avait juste un support face à nous, ensuite on a su partir sur de la baisse, retracement plutôt joli. Regardez ici, ça donne aussi du 2,25 $ l'once d'or pour l'instant sur ces mouvements en baisse. Donc j'étais pas sur le gold ce matin, je vous ai fait du pyramidage sur le DAX, des petits rebonds et petits rejets pour l'instant sur le CAC 40 aussi. $119, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Pour finir la semaine, c'est top. Samantha qui nous dit, est-ce que je peux faire un dépôt avec ma carte de crédit crypto sur Admiral Chypre, s'il te plaît. Chypre. Contacte directement l'équipe Admiral sur le site. Je voudrais pas te dire de bêtises avec ça, du coup, mais n'hésite pas à leur poser la question sur le site Admiral. Je t'envoie le lien directement, tu as le chat qui va te permettre de poser toutes les questions que tu veux. Hop, voilà, ici tu as le lien dans le chat, c'est le cas de le dire. David P qui nous disait, je trade le NDX 100 et les marchés US de 9h le matin à 16h, le marché asiatique le soir de 19h à 22h30, la nuit, marché européen de 3h du matin à 4h, puis dodo. Attends, j'ai perdu ton message, hop. Voilà, puis dodo et rebelote, sieste entre les breaks. C'est intéressant, en tout cas tu nous dis que tu étais au Canada du coup, David. Assez intéressant puisque tu trades les actifs européens du coup. Ah oui, alors c'est avec tes heures de décalage du coup. C'est avec tes heures de décalage, je pense que tu nous as donné les horaires en l'occurrence. Sacré rythme en tout cas ici, David. Sacré rythme, clairement. Le petit Nicolas qui nous dit, que penses-tu du gold en ce moment? Il vient de casser la belle zone de résistance des 835. Ouais, donc le gold, hein, regarde ici. Clairement baissier, ça c'est une équivalence en graphique 5 minutes. Hop, ici. Et ce qui se passe pour l'instant, c'est qu'on est lancé à la baisse. Alors si on dézoome même un petit peu. En fin de compte, tu vois, si tu veux ça, c'est la borne haute, quelque part. Et on avait parlé d'une borne basse autour des... Alors la partie médiane, c'est là où on se trouve, la borne basse un petit peu avant. Ouais, ça va être par là. Autour des 40, hein. Hop, ici. Donc en fait, on est en train de franchir quelque part la partie médiane. On retrouve toute cette structure-là. Tu vois, hop, ici. Donc c'est toujours des zones, hein. Donc c'est un petit peu au-dessus, c'est un petit peu en dessous. Une zone qui est en train d'être travaillée ici, pile poil là où on se trouve en fait. Donc on a encore un peu de zone quelque part autour des 53 en support pour le moment. Mais on est bel et bien dans une tendance actuelle baissière, hein. On le voit ici sur ce système là qui reflète ce qui se passe sur le graphique 5 minutes. Donc dans le souhait de vouloir continuer la baisse, on a testé la borne haute récemment, on aimerait aller tester la borne basse. Donc c'est ce qu'on a là, le test du creux précédent, idéalement pour descendre et continuer donc vers le bas. Si on fait un double creux par contre et qu'on ressort par le haut, on pourra retourner la tendance et chercher le test des sommets précédents. Ça c'est aussi possible. Filtres qui nous dit, Jérémy, peux-tu voir PayPal? Merci. Alors on va aller voir du coup l'action PayPal aussi. Un graphique weekly qui nous indique une sacrée baisse, hein, sur PayPal. Alors j'ai pas les fondamentaux de PayPal en l'occurrence, mais regardez, on a cassé une très belle oblique ici, incapable de continuer de faire des sommets. On avait bloqué plusieurs fois sur des niveaux de prix. Il faut bien au bout d'un moment donné que le prix du coup trouve son chemin. On a cassé des creux, on a vu une très très belle un très très beau début de baisse ici avec les CFD chez Admiral. On peut justement profiter de ces mouvements de baisse aussi.
Donc ça, c'est l'intérêt aussi d'être sur des produits dérivés comme les CFD. On revient tester un niveau très intéressant, niveau support des 205-200 du coup ici sur cette action US. Donc en fin de compte, plusieurs choses à partir de cette zone-là. Clairement, soit on va pouvoir rebondir, soit on va pouvoir réintégrer la zone de range. Donc ça va être très intéressant à étudier. Bien vu ici Filtres d'avoir remarqué du coup cette action, puisque il y a des choses intéressantes qui se préparent clairement. Donc on pourra le garder si vous voulez ici. Cette action là aussi, ça c'est du weekly en daily, ça veut dire qu'on est en tendance baissière clairement ici. Il faudra aussi que ça se retourne selon les unités de temps qu'on va étudier. Bien sûr, on a des choix et des décisions, des analyses même qui vont être différentes. Ça rebondit ici du coup depuis tout à l'heure sur le graphique en 3.2, on est dans une zone de range potentielle. Donc ça ne veut pas dire ici que c'était forcément un range à l'horizontale, il y a d'autres types de range qui existent. Là, la baisse qui se remet en cause puisqu'on a l'histogramme gris justement qui revient. On est toujours sur un histogramme gris pour ce qui est du CAC 40, mais on retrace de plus en plus vers le sommet précédent, donc de plus en plus profond ce retracement. On a fait un triple creux sur le gold pour l'instant, on est incapable de continuer tout de suite maintenant de casser les creux, donc on va faire attention. Je vous parle de creux rien que ici, pas de creux ML. Moi, ce qui m'intéresse pour la tendance, c'est les creux ML et les sommets ML, ça me donne la formation des graphiques supérieurs. Donc de plus en plus proche du stop loss ici pour l'instant sur du coup ce CAC 40 qui a du mal à repasser sous la barre des 7075 points. Christina qui nous disait les marchés financiers actions indices sont plus du tout corrélés avec l'économie réelle. Va-t-on avoir une correction à venir entre les marchés actions pour éviter une inflation actuelle, Jérémy? Très bonne question, Christina. Alors, pour moi, au bout d'un moment, on aura bien évidemment pas forcément un retour à la réalité, parce que ça fait des années pour moi que justement on est un peu déconnecté de la réalité sur ces marchés. C'est un argument supplémentaire hein, pour moi de me baser vraiment sur le comportement des acteurs de marché, parce que en fait, si tout le monde est convaincu à tort du coup que tout va bien, ça va monter en fait. Et c'est pour autant que c'est des occasions de profiter de la hausse. Mais c'est ça aussi, suivre le comportement des acteurs, parce que quand ils vont se rendre compte que du coup on a été très haut sans de véritables raisons, ou que la réalité quelque part va nous rattraper, leurs comportements vont venir traduire sur les graphiques aussi une certaine crainte, une peur, etc. Et on aura de la baisse. Et ça sera même peut-être la nouvelle crise tout simplement qui arrivera. Et du coup c'est ça en fait d'être dynamique et de suivre vraiment ce qui se passe sur le marché, c'est de pouvoir tout simplement suivre en temps réel ce qui se passe. Mais par exemple, on peut penser à ça pour s'y préparer, c'est-à-dire il y a des traders qui ne vont être sur les indices boursiers qu'à l'achat. Dans ces périodes-là, il faut savoir qu'ils vont être en difficulté puisqu'on aura plutôt que de la baisse. Donc s'ils vont continuer de chercher le moindre point d'achat dans un marché qui est en panique, etc., ils vont se retrouver en difficulté. Donc c'est ça, être dynamique avec son marché, c'est savoir aussi être conscient qu'il y a des opportunités à l'achat, des opportunités à la vente. D'ailleurs, il faudrait un jour prendre le temps de réaliser des statistiques plus poussées pour voir aussi le délai véritablement et l'amplitude des mouvements baissiers, puisque en règle générale, quand vous avez des mouvements du coup de baisse, ça va plus vite, plus loin aussi que les mouvements de hausse également, parce que ça traduit de la panique, etc. Donc ça, c'est des éléments importants à prendre en compte aussi. Se préparer justement à ce fameux phénomène, c'est aussi se dire bah voilà, qu'est-ce qu'il y a du coup dans ma stratégie qui peut me faire bénéficier de la baisse. Est-ce que je pense à être dynamique avec le marché pour profiter de la baisse quand elle viendra? Bref, toutes ces choses-là. Mais en tout cas, oui, tout à fait. Hein, au bout d'un moment, la réalité qui rattrapera les marchés, c'est un petit peu aussi ce qui se passe à chaque crise, hein, comme quand tu penses à la crise des subprimes. C'est difficile, on peut se dire, mais c'est vrai que, enfin, comment ça se fait que la plupart des gens n'aient pas vu venir la chose, étant donné comment c'était construit, comment c'était pensé, comment c'était fait. Mais c'est là où la réalité rattrape les gens après. Philippe qui nous dit bravo Jérémy, quelle maîtrise, énorme travail, bon week-end. Merci beaucoup Philippe, ça fait vraiment plaisir ton message aussi. Je te souhaite aussi un excellent week-end. Retour petit à petit sur le prix d'entrée, il va nous rester que quelques minutes, je vais vous faire un récap des marchés. On verra bien ce que ça donne sur le CAC, sinon je couperai avant la fin de séance. Vivi qui nous dit, y a-t-il des actifs qui te réussissent moins et sais-tu pourquoi? Oui, en fait, si tu veux,
Les actifs sur lesquels je vais être le moins à l'aise, ça peut être, ça peut être assez surprenant, mais ça va être des actifs tels que des paires forex, comme par exemple l'euro-dollar. L'euro-dollar, c'est une paire forex qui a moins de volatilité que d'autres paires forex, qui est énormément travaillée, et en fin de compte, si tu veux, c'est pas un actif pour moi qui va m'apporter les meilleures choses. Les meilleures choses, selon mon approche et ma façon de faire, donc avec ce système-là, c'est tout simplement, alors même si on a des choses hein, sur le forex également aussi et qui sont possibles, hein, je vous ai fait des exemples déjà sur comprendre bien sûr le fonctionnement du marché, comme quoi on peut être en range, en tendance, ça peut être piégeur, etc. Donc je vais avoir besoin, si tu veux, de ce genre d'outils-là. C'est pour ça que mes favoris sont le DAX, le FTSE, le Dow Jones 30, le Nasdaq. Après, côté forex, ce qui va le plus m'intéresser, ça peut être plutôt du swing trading, voire du day trading à plus grande échelle. Là où justement, bien, je laisse véritablement la volatilité du jour complète ou de la semaine, par exemple, s'exprimer sur la paire forex pour y voir l'amplitude. Plus on a des mouvements, plus, enfin, plus on a des mouvements d'amplitude importante et plus on peut générer de l'argent. C'est pour ça que je suis sur un système en mouvement uniquement. Donc voilà, c'est ça qui est marrant, c'est que si tu veux, les actifs qui me réussissent le moins, ça va être par exemple des paires forex comme l'euro-dollar. Le GBPUSD, déjà, ça va mieux parce qu'il y a plus de volatilité sur ce GBPUSD que sur l'euro-dollar. Après, pour des traders qui ont des stratégies un peu différentes, ils vont aimer des actifs qui bougent un petit peu moins, juste pour aller grappiller quelques petits points ou quoi. Mais en général, hein, de toute façon, avoir des marchés qui bougent beaucoup, c'est ce qu'il y a de mieux, clairement, c'est ce qu'il y a de mieux. Samantha qui nous dit nickel, merci, je t'en prie Samantha. Et David qui nous dit exact, no life, lol. tu m'étonnes, sacré rythme. Melon Amat qui nous dit le Renko LTR, ça a l'air vraiment bien avec de bons signaux. Merci pour ton message, Melon Amat. Yes, bah c'est ça simplifie beaucoup de choses. Ça simplifie beaucoup de choses et ça apporte aussi un certain confort. Jean-Pierre qui nous dit merci, je t'en prie Jean-Pierre. Alors on va refaire un petit tour de marché sur tous les actifs. Hein. Samantha qui nous dit sinon Jérémy, tu penses quoi du coton avec sa saturation et blocage des bateaux? Alors on peut aller voir si tu veux rapidement le graphique du coton. Et du coup je te dirai ce que j'en pense d'un point de vue technique. De toute façon, on va retrouver hein, le comportement des acteurs de marché par rapport à tout ça. On est dans une tendance haussière. Par contre, on est en train potentiellement de ne pas réussir à continuer cette tendance haussière et de partir dans de la consolidation. Donc ici, tu pourras voir d'ici la fin de la journée, sur la clôture de cette bougie-là, si on a véritablement un sommet qui s'écrit plus bas que le sommet précédent. Et à ce moment-là, on pourrait commencer à ranger un peu. De toute façon, on a une belle zone de respiration possible. Hein. Ici, on va commencer à parler des 113, 5, des 113. Les 113 jusqu'au 110 hein, quasiment, donc une belle zone rebond possible si jamais on est incapable de continuer la hausse. Donc là, ça se pose des questions sur la R1 mensuelle à l'heure actuelle. Christina qui nous disait du coup oui vrai. Alors Michel qui nous disait acheter PayPal. Alors tu sais bien Michel, il n'y a pas de signaux dans ces séances, il n'y a pas de conseils en investissement, mais du coup PayPal d'après ce qu'on a vu atteint des niveaux de prix intéressants. Par contre, ben, c'est encore en contre-tendance, c'est-à-dire que on vient d'atteindre les niveaux-là, on n'a absolument rien qui nous fait dire directement, tiens, là il y a un rebond dans un scénario étudié dans un marché qui confirme un petit peu le tout. David P qui nous est DAX 32 points, j'ai lâché à 16 100. Bravo à toi, bravo à toi. On est en train d'avoir ici du coup une petite poussée. Je vais juste finir avec un petit exemple ici, si on peut aller un peu plus bas. En même temps, on est sur l'extension. Donc, je voudrais juste les 65,50. C'est quand même l'extension 61,8 de Fibo. Je vous montrerai ça dans un instant. Allez, un tout petit peu plus bas ici. Une petite clôture autour des 65,50 serait la bienvenue. Ça fait un tout petit peu, mais c'est cette fin de séance et je vais vous montrer encore quelques petits exemples de sortie partielle, etc. Bon, on va voir, ça prend un peu plus de temps. On va voir que ça prend un peu plus de temps. De toute façon, ouais, il est 10 h, donc je peux sortir sur ce scénario-là. Retour sur le point d'entrée, grosso modo. Ici, pareil, hein, je ne vous ai pas enchaîné avec du pyramidage dans ce type de scénario qui était tout à fait du coup possible aussi. Alors, on fait un petit point marché ici rapidement. Je vais revenir aussi sur les messages ici. Bravo à toi en tout cas, David P sur le DAX. Du coup, Dan qui nous disait les Renko LTR donnent. Alors, pardon, ça je l'avais lu. Alors, non, je l'avais pas lu. Dan, tu nous disais les Renko LTR donnent des informations futures ou présentes. Merci.
Alors, c'est intéressant ce que ta question parce que en fait, le système Renko LTR te donne des informations en temps réel, donc présentes. Mais par exemple, si tu veux, si on étudie ce genre de choses, ce genre de bougie d'inversion baissière, une bougie d'inversion, en fait, c'est quoi? C'est une bougie du coup de retournement. Donc, cette bougie de retournement, quand tu étudies les statistiques pour savoir combien tu as du coup de probabilité d'atteindre les bougies suivantes, c'est-à-dire un premier TP, là, tu as des informations potentiellement qui t'apportent quelque chose vers le quelque chose qui ne s'est pas encore passé, mais qui a une récurrence et qui se passe très souvent de la même manière. Et c'est là où tu peux faire le lien entre ce qui se passe là tout de suite maintenant pour prendre des décisions pour savoir si tu veux acheter ou vendre le marché, parce que tu sais qu'en général, un peu après ou quelques briques Renko après, tu peux avoir ton premier TP et ensuite gérer ton risque, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait le lien entre les deux. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'avec ces Renko LTR, c'est des informations qu'on obtient sur le marché en temps réel qui ne sont pas en retard. C'est pas une fois que du coup le marché est parti qu'on a l'information comme une bougie en temps qui met un délai pour clôturer. Là, c'est une amplitude de mouvement qui est nécessaire pour clôturer. Donc, on est beaucoup plus en connexion et beaucoup plus relié au marché directement. 120 likes, 125 likes, pardon, atteints. Merci à vous tous pour finir cette semaine. C'est vraiment parfait. Du coup, voilà, ici Dan, dis-moi ce que tu penses de ça. Zachary qui nous dit merci encore pour le live. Passe un bon week-end. Merci aussi à toi, Zachary. Christina qui nous dit merci, Jérémy, pour cette matinée très enrichissante. Merci à toi aussi, Christina, d'être avec nous et pour tes messages. Vraiment, c'est top. Mélan Amat qui nous disait merci à toi aussi, Jérémy. Et bon week-end à tous. Merci beaucoup à toi également, Christina, qui nous dit bon week-end à tous. Et à vous aussi, Jérémy. À lundi, avec plaisir, Christina. À toi aussi, excellent week-end. Frédéric qui nous disait bonjour. Je trouve ennuyant les indices depuis quelques jours. Pas de volatilité, pas de direction significative. Ça vient de moi. La volatilité qui évolue clairement. C'est pour ça qu'il faut être dynamique dans ton approche un maximum pour pouvoir suivre cette évolution et ce changement de volatilité clairement. Filtres qui nous dit du coup bonne journée à tous et merci pour le live Jérémy. Je t'en prie avec plaisir Filtres. Et Frédéric, tu l'as vu peut-être en étant avec nous dans les lives, le fait d'être dynamique m'a permis par exemple au cours de la semaine de vous montrer pas mal de scénarios en tendance quand même. Parce que c'est une approche dynamique et du coup il y a toujours des opportunités quand tu regardes quelque chose qui est vivant et qui absorbe la volatilité de ton marché. Samantha qui nous dit merci, super live avec un sourire. Merci beaucoup Samantha, ça fait trop plaisir. Damien aussi qui nous dit merci jamais, bon week-end à tous. À toi aussi Damien, merci beaucoup. Samantha qui nous souhaitait aussi un bon week-end. David qui nous dit bonne journée à tous et merci Jérémy avec plaisir. David aussi. Morifice qui nous dit merci pour cette séance. Jérémy, bon week-end à toi et à tous. À toi aussi Morifice. Je vous fais juste un petit point rapide ici. Du coup, pour l'instant, pour le reste de votre journée, hein, clairement, on est au-dessus de la zone de range sur du coup le DAX, zone de range précédente. Par contre, on a fait un sommet plus haut que le sommet précédent, on a respecté les creux. Donc le biais directionnel reste à la hausse du moment qu'on arrive à sortir de ce sommet-là pour se diriger sur la R1. Sinon, attention à un nouveau range qui pourrait prendre place bientôt sur le DAX. Côté CAC, rapidement. On va avoir ici un CAC 40 qui a tenté la sortie par le haut, mais qui réintègre la R1 du jour, la borne haute de sa zone de range. Et puis on a testé aussi au passage la R1, R2 intermédiaire. Donc là pour l'instant, trading aura jusqu'à preuve du contraire, sauf si on a une nouvelle cassure convaincante. Du côté des marchés américains pour votre séance de l'après-midi, vous voyez bien que pour l'instant le S&P évolue dans un range également. Je vous rappelle, borne haute autour des 4663,50 et borne basse sur les 4648 à peu près. Du côté du Dow Jones 30, c'est une tendance baissière, un canal baissier certes, mais qui est très pentu. Ce n'est pas mes canaux favoris. Donc on va faire bien attention déjà au sommet précédent sur le point pivot et aux deux creux ici à casser pour continuer par le bas. Du côté du Nasdaq 100, c'est un trading en range aussi. On pourrait même y voir un triangle. Certains parmi vous ont sans doute identifié déjà un triangle. Je vais vous le caler ici. On pourra aller voir ce qui s'est passé ensemble dès lundi matin par rapport à ça, puisqu'il y a la séance US cet après-midi qui promet aussi des mouvements. Donc attention aux fausses cassures quand même, mais sinon trading en range à l'intérieur de la zone borne haute autour des 16 100 et les 16 000 par le bas. Du côté du gold en graphique horaire, on va retrouver donc tout simplement, alors horaire et pas daily, on va retrouver ici tout simplement la cassure ici des 1854,50 pour se diriger sur le support S1 et la borne basse pour le moment. Donc trading en range jusqu'à preuve du contraire, mais direction borne basse à l'instant ici sur ce graphique. Tentative de breakout par le bas sur le Brent pour l'instant, sinon trading en range, attention aux deux zones point pivot mensuel et point pivot journalier. Point forex pour finir ici cette semaine, on a fait un double top, vous l'avez vu sur le 5 minutes. On commence à réagir aux abords même de cette zone là pour rechercher le test du creux précédent. Sinon, zone résistance par là, si elle est cassée, zone support pour un test de la R1 du jour.
Du côté du GBP/USD, on va finir ici avec pour l'instant eh bien, la zone atteinte, hein, résistance R1, idéalement même un peu plus haut, mais on commence déjà à respirer pour le moment depuis ce niveau-là. Donc on aurait attention du range possible si on n'arrive pas à sortir de la zone. Donc pour l'instant, rejet de borne haute possible pour partie médiane point pivot et borne basse aussi. Voilà un petit peu pour le résumé ici de ces actifs pour vous sur le reste de la journée. Je vous souhaite un excellent trading, une très très bonne fin de semaine, forcément un bon week-end. Et on se retrouvera dès lundi matin à 8h30. Freddy, tu nous dis bonne journée à tous, 17 points sur le DAX, j'ai atteint mon objectif hebdo, bravo à toi Freddy. Merci Jérémy pour ce live, comme toujours très intéressant. Bon week-end, pouce bleu, merci beaucoup Freddy, 130 likes, ça me fait vraiment plaisir. Michel qui nous dit bon week-end Jérémy, pour PayPal ce n'était pas un conseil, je demandais mais une question. Oui, pas de souci, ça marche Michel. Mais t'as bien vu ici, on commence à atteindre des prix intéressants. Ensuite, il faut attendre bien évidemment quelque chose qui nous montre qu'il y a un potentiel de rebond. Mais en tout cas, pas de souci Michel. Le petit Nicolas qui nous dit bonne fin de semaine et super live Jérémy. Merci beaucoup à toi aussi. Du coup, bonne fin de semaine et merci pour ton message, le petit Nicolas. Donc, bon week-end à tous. Très bon trading pour le reste de la journée. Je vous dis à lundi matin avec plaisir comme d'habitude.